Retour. Hein. Pauline est trop longue, tu peux. Ouais, si vous trouvez que Pauline est trop longue, n'hésitez pas à donner votre prime. Il y a un petit chat. Minou, minou. Il est où le minou? Il y a un petit chat. Il est caché, je le vois pas. Oh, je le vois pas. Oh, mais il est là, le bébé. Mais ils aiment pas qu'on les caresse, les petits chats. Les chiens, ils aiment bien, mais pas les petits chats. Ouais. Bon, je vais demander au patron. Oui. Dites-lui que vous me connaissez. Oui, oui. Je suis avec une VIP. Very importante, Pearl. Bonjour. Bonjour, bonjour, patron. Très bien. Bah, il m'a donné. Il m'a donné la tâche. C'est bon? Il est d'accord? Oui, apparemment. Il m'a dit de bien suivre les étapes, alors je vais vous suivre. Ouais. Attention, dis donc, faut savoir où c'est, hein. Ouais, c'est enfin, pas tout en haut de la montagne, mais c'est un peu plus loin. Ah oui, je pensais que ce serait que le bureau du patron serait à l'entrée de la mine. Ah non, il n'y a pas de mine, enfin, c'est une mine ouverte. Ah d'accord. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça plus agréable de travailler ici. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'en avais vu, enfin, j'avais cru comprendre qu'il y en avait qui étaient fermés, qui étaient... je pensais que c'était une comme ça. Ouais, non, là c'est une ouverte, du coup bah on peut regarder le paysage en même temps. Ouais, comme ça vous pouvez chasser en même temps. Je pourrais un petit peu là parce que c'est pentu. On prend l'élan. Hop là. Ouais, effectivement. Voilà, prendre un petit élan là. La prochaine fois je viendrai avec Biou. Ah oui, d'accord. À flanc de montagne. C'est juste ici. Ah oui. Voilà, et puis c'est 25 comme partout. Hein. Ils veulent des sessions de 25. Oui, c'est ça. Hein. Si on fait plus, ils prennent plus. C'est ça. D'accord. Et vous faites ça souvent? Bah non, généralement j'y vais quand les autres y vont. Oui, c'est vrai. Mais là, il a trouvé quelqu'un qui rachète plus cher que d'habitude. Donc en ce moment, au lieu d'être payé genre 10 cents avec le patron, là, on est payé entre 25 et 30. Bah oui, avec Ray, oui. Enfin, c'est lui qui nous rachète, quoi. Donc je trouve que c'est le bon moment de vous faire un petit peu d'argent. Oui, je suis d'accord. C'est bon. Vous avez vu, c'est pas du travail trop difficile, quoi. Non, ça va, ça va. C'est pas... On n'est pas là avec la pioche à la main... C'est ça, nous on ramasse des petits cailloux qui ont été piochés, hein. Oui, puis bon, c'est... Triste, hein, mais bon. C'est aussi qu'on ramasse, on ramasse plus de terre, finalement, pour trier après, quoi. C'est ça. C'est pas directement la roche qu'il faut piocher. Non. Parce que après, ça, c'est bon. C'est un peu sexiste, quand même, je trouve, hein. Ouais, non, on ramasse des tas de terre. Si les messieurs viennent, ils ramassent aussi des tas de terre. Quand ils viennent ici, ils ont la pioche. Ah bon? Oui, ils ont le droit d'avoir une pioche. Pas de pioche. Ah, d'accord. Ah, effectivement. Le patron a peur qu'on se fasse mal, du coup, nous, c'est juste les petits tas de. Du coup, nous, c'est à la main. Puis, c'est à l'ongle. C'est ça, c'est à l'ongle, on creuse à l'ongle. Oui, c'est vrai que c'est mieux, oui. Oui, mais on risque pas de se blesser nos faibles petits bras de femme. Ah là là, arrêtez, j'ai l'impression d'entendre Monsieur Pacifique. Mais Monsieur Pacifique, il déteste tout le monde. Un peu plus les femmes, quand même. Les femmes, il déteste tout le monde. Vous savez qui m'a appelé Madame Canterbury pendant... Oui. Madame Canterbury, Madame Blackberry, Madame... Comment j'ai pas je sais plus, il trouvait tous les noms possibles. Bon, du coup, j'ai fait pareil. Hein. Et vous l'appeliez comment? Monsieur Atlantique, Monsieur Martinique, Monsieur Alambic. J'ai fait à peu près tous les noms que j'ai pu trouver. Pas de pioche, c'était une femme, bah oui. Fatiguée, vous mangez déjà, quoi. Mais non, c'est qu'il me faut un peu de place. Ah, alors bon, autant. Je me suis pas rendu compte que j'avais pas assez de place. Alors il me restait un gâteau du mariage. Peut-être le manger maintenant. Ah oui, c'est encore bon. En bof.
Le chocolat a plus le même goût. Vous avez gratté un peu le verre qui était au-dessus. Voilà, c'est ça. Oh, vous savez, hein, dans le Far West, il faut pas, faut pas être trop regardant sur la sur l'âge de la nourriture. Non, hein. Moi, j'ai plein d'alcool du mariage. Ah, toujours. Ah bah j'ai oui, j'en ai eu beaucoup quand même. Hein, donc. J'ai recroisé Monsieur Champion aujourd'hui. Il était en train de re-remplir un petit peu les, de refaire les stocks de, du ouais, saloon de Blackwater. Ah, ça débordait, hein. L'associé, il était content, il avait beaucoup à faire. Ah, il y en avait partout, quoi. Ah oui, vraiment. Partout au sol. Ah oui, d'accord, il pose tout au sol avant de tout ranger dans les armoires. Quoi. Oui, c'est ça. C'était assez marrant. Ah là là, j'ai de la place. Allez, au boulot. Comme depuis tout à l'heure, je ramassais, mais ça tombait par terre. C'était pas très productif. Oh putain, j'ai même pas fait gaffe. Non, ça va, non. Non, ça va quand on fait. Voilà. J'ai trébuché. Oui, oui. Une balle. Oui, oui. J'étais jaloux de mon gâteau, c'est ça? C'est ça. Enfin, vous auriez pu partager, quoi. Non, je suis désolée, j'ai trébuché sur le sol. Oh, j'ai l'impression que ça m'arrive souvent, moi j'ai cette chance. Oui, c'est... moi aussi. Hein. Quoi, comment ça, j'ai déjà trop sur moi? Mais ça, je vais péter un câble en fait. Oh, je vais vider des trucs. Hein. Bon, après, c'est pas le boulot le plus passionnant du monde, hein, mais c'est pas le pire. Hein, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que, bon, bah, comme beaucoup dans le genre, c'est pas. Voilà. Très redondant. Oh, faut que je vide mes poches. J'arrive tout de suite. On est marre. Oh, ça m'énerve. Bon, ça. Déposer. Je crois qu'il faut que j'en rachète tous mes appâts en vrai. Je les garde, mais je devrais les virer. Ça, déposer. Ça, déposer. Et ça aussi. Il prend souvent un genre de buisson. Vous avez vidé dans les buissons, Miss Duval ? Oui, tout à fait. La nature. Hein. Pourquoi vous avez pas mis dans votre cheval? Parce que j'y ai pas pensé. Ah. Non, mais c'est des petites choses que, voilà, trois bouts de menthe, deux morceaux d'origan. Bon. Ah oui, non, ça sert pas. Et puis j'avais réussi à ramasser des poissons à la main aussi, mais j'ai l'impression que personne les reprend. Ah bon? Oui, parce que c'est pas tout à fait les mêmes que quand on pêche un petit peu plus loin. Là, c'est des poissons qu'on arrive à... qui s'échouent tout seuls sur le bord de l'eau, mais... j'ai trouvé personne qui était intéressé, alors bon, je les ai aussi enlevés. D'accord. Et j'ai entendu dire que les poissons étaient devenus récalcitrants aux appâts à force de la pêche. Oui, et puis bon, et bah d'ailleurs, faut changer de canne à pêche. De pêcher maintenant. Oui, et apparemment, faut changer de canne à pêche, mais bon, je voulais en être sûr avant d'en racheter une parce que c'est pas. C'est pas donné. Bon, c'est 5$, ça va, mais. Mais je voulais être sûr, quoi. Oui, c'est 5$, c'est 5$. Hein. Bah surtout qu'apparemment, il faut aussi racheter tous nos appâts. Parce que bah, maintenant, c'en est des nouveaux. Oui, bah c'est ce que me disait, on a accroché une petite pêcheuse dans le coin, et ah oui, près du lac Don Julio. Et elle a tout racheté du coup? Et ouais, elle me disait qu'ils étaient devenus récalcitrants aux nouveaux appâts. Il faudrait que je vois ça. Et que du coup, c'était beaucoup plus compliqué de chasser maintenant. Bah après, ils étaient aussi un petit peu, voilà, c'est peut-être aussi un petit peu plus rapide si on a, je sais pas, faut savoir. Mais pas que ça me dérange, ce qui me dérange c'est de tout racheter. Oui. Il faudrait que j'essaye pour me rendre compte quand même. Bah surtout si c'est votre gagne-pain du moment quoi. Bah c'était un peu plus, je m'étais un peu plus mise alors. Ah oui? Et oui, parce que c'était quand même, finalement c'est un peu plus rapide et vu qu'on peut trouver plusieurs pépites à la fois si on a un peu de chance, bah finalement... Et finalement, ça rapporte l'or? C'est 10 cents la pépite. Et pas... Mais quand on fait, quand on en ramasse, on peut parfois ramasser 3 pépites à la fois quoi. Donc, et ça met moins de temps que de pêcher, enfin, en tout cas, quand on pêchait avec une ancienne canne à pêche, faudrait voir maintenant. Donc, en fait, c'était plus intéressant, parce que, bah, quand on pêche, forcément, c'est pas sûr qu'on tombe. Et, oui. Et bon, bah, les poissons qui rapportent un peu, c'est pas forcément ceux qu'on croise.
Alors que là, vous êtes sûr de tomber sur une pépite d'or. Là, trois... si on a trois pépites à la fois, okay. Bon bah... Amandine, vous êtes qui ? Donnez-moi une thune. Non, c'est bon, oh, c'est bon. Mon Dieu ! J'ai que de la terre, j'ai que de la terre. Mais non, c'est pas vrai, c'est mon aventure. Oh, oh là là ! Oh là là, on s'est tellement fait avoir, monsieur Bonaventure. Ah oui, mais j'imagine. Vous êtes presque beau comme ça, monsieur Bonaventure. Ouais, dis donc, ça me fait bien plaisir, ce que vous me dites. Ah, de rien. Vous avez tué monsieur Dubois dans la forêt ? Non, non, il est avec monsieur Spectaculaire, un peu plus loin. Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a deux types qui discutent. Mmh. Ah oui. Ah oui, à cheval ? Non, pas à cheval. Non, non, ils sont au sol. Ils sont au sol. Mais vous voyez peut-être pas si vous êtes un peu décalé avec le poteau. Ah, c'est vrai. Ah, bah, moi, je... ah si, ok, oui. Et c'est qui ce monsieur-là ? C'est monsieur L Spectacular. L Spectacular. Il fait des braquages en chantant des chansons. Ah ouais, c'est, c'est un bandito, mais il est spectacular. Là, il est là. En fait, si vous voulez, ça faisait une semaine. Moi, je lui avais dit, parce que c'est un client, je lui avais dit, bon, Spectacular, la prochaine fois qu'on t'attrape, c'est la pendaison. Alors, ah oui, d'accord. Alors, bon, calme-toi un petit peu pour te faire oublier. Donc, il s'est fait oublier une semaine. Mm-hmm. Là, à partir d'aujourd'hui, là, monsieur Bennett, il lui a dit, ouais, c'est bon, tu peux recommencer à... À être spectaculaire. Du coup, il est parti faire un braquage là tout à l'heure en se prenant lui-même en otage. Et il enlevait sa veste et il remettait sa veste, vous voyez, pour tromper les shérifs. Bon, ils l'ont foutu en prison là juste tout à l'heure, il vient de sortir. Ah, il s'est fait attraper alors. Mais tout à fait. Bon, en même temps, vous savez, il est spectaculaire, mais il n'est pas très fino. Ah, j'aime bien les méthodes en tout cas. Ah oui, au moins, non, quelque chose. Au moins, il y a une tentative. Il est allé, vous savez, il y a une soirée des dames le jeudi. Oui, voilà, j'en ai entendu parler, j'ai jamais vu encore. Et bien, un jour, il s'est dit, je vais aller les braquer, les dames. Donc, il s'est déguisé en dame. D'accord. Et ah puis, oui, il on en a parlé. Et puis, au final, il ne les a pas braqués parce qu'elles ont été tellement gentilles avec lui qu'elles lui ont donné de la bouffe. Oui, ils avaient... coup, apparemment, tout le monde avait pitié de lui, en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'elle m'avait et dit. Du coup, lui, il n'a rien fait, au final. Non, mais c'est quelque chose, monsieur Spectaculaire. Ah oui, d'accord. C'est donc ce monsieur-là. Tout à fait. C'est même fait recenser en tant que femme. Que femme. Oui. Ah bon ? Dis donc. Allez, il est spectaculaire, ce monsieur Spectaculaire. Je crois qu'il est recensé dans trois vides différents avec trois personnalités différentes. C'est quoi ? Ouais, ça, je savais pas, dis donc. C'est pas bête, finalement, hein. Dans une en tant que femme, quoi. Ça, c'est super. Hein. Honnêtement, c'est pas idiot. Il est incroyable. Il est spectaculaire, quoi. Oui, il est spectaculaire. Dis donc, je viens de commencer à miner, mais je viens de voir l'heure, là. Ça m'embête. Ah oui, vous êtes un peu limite. Oh bah oui, 1h du matin, quand même, ça fait limite, hein. Oh, mais il fait jour. 27 minutes pour faire toutes les étapes. Combien vous dites ? 27 minutes. Une petite demi-heure. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va un rasemote ? Ah ça, oui. Oui. Oh là, mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de rasemote ailé. C'est des rasemotes ailés. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est... Oui. bon, on va rester avec vous le temps que... Bon, bah ça, c'est bien gentil. Donc, moi, j'ai fini, mais... Donc... Ah oui, j'imagine. Là, il m'a montré sa baraque. C'est mignon. Au secours. Ah bon, vous aimez pas? Oh bah pourquoi ça? Ça fait quand même bicoq perdu au fin fond des plaines. Moi avec, avec oh, c'est peut-être un cabanon de pêcheurs, c'est sympathique. Il y a du jour entre les planches. Moi, voilà, j'aime... Ah. Moi j'aime bien sa petite cabane, je la trouve toute mignonne. Oui, bah, c'est sympa, mais enfin l'hiver ça doit être dur de chauffer. Hein. Bah non, c'est pas très grand. Il doit y avoir des courants d'air. Par contre, vous avez regardé ces draps ? En même temps, ici, l'hiver, non, j'ai envie de dire. Même, par contre, ces draps sont dégueulasses. Vous avez vu dans la cuisine, il n'a même pas fait la vaisselle, il y a des mouches et tout. Regarde la vaisselle, voilà, mais les draps, il y a une tache dedans. Ah bon ? Ah. Ah, il a peut-être tué un homme là-dedans, mais après, ou c'est peut-être lui et moi qu'on a fait des trucs, madame Yerberry. Allez savoir. Je ne sais pas si c'est du sang ou de la merde, quand même. Écoutez, ah oui, d'accord, je me fais l'image, là, je me fais l'image. Pour qui vous voulez ? Eh, vous prenez qui pour juger non, les désirs des gens, dis donc. Ça peut être un mélange. Quoi. Voilà, ah, faut pas dormir dedans quand même. Bah c'est ça quoi, c'est... Bah, faut pas qu'il invite quelqu'un quoi. Il m'a dit qu'il avait invité la petite Kay à dormir dans le lit. Ah bon ? Ah bah elle a dû pas vouloir non, si ? Bah, je sais pas, bah, après vous savez la petite Kay... Oui, c'est une enfant sauvage. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'elle est habituée à sentir le loup mort sur sa tête. Alors bon, au final, un peu plus, un peu moins, j'ai envie de vous lire. Ça, il fait chaud, hein. Oui, un petit peu, oui. Oh,
Ça va, moi je suis en noir, j'ai pas chaud. Si j'ai un peu chaud, mais je garde la classe. Il vous faudra un petit chapeau pour votre tête quand même. Ouais, c'est vrai, je vais remettre. Mais oh non, vous me trompez. Ben... C'est pas comme ça qu'on met un chapeau, hein. Non, non, c'est pas comme ça. Mais non. Voyons. Voilà, il a allez. Pris un coup de chaud, il a pris un coup de chaud, je savais, de... je l'avais voilà. dit. Ah, ces corsets font un sacré. Ah oui, dis donc. Ah oui, très échancré. Oui, un petit peu, dis donc. Bah, faites attention, c'est un corset, à pas prendre... quoi. Faites attention à pas prendre froid. Hein. Ah non, oh non. Il fait très très chaud là. Moi, je trouve qu'il y aura, il y aura deux petits coups de soleil qui seront un peu jumeaux là. Il faut pas se pencher en fait, hein, parce que ça va sortir. Ah, faut pas courir non plus. Hein. Vous croyez ? Alors, ça va. regardez, ils vont pas bosser quoi. Ils vont encore pas bosser. Est-ce que je tirerai pas sur Monsieur Dubois? Ah si oui, je t'avais pas si vu, il dit si balade. Si j'y tire dessus, vous lui dites pas que c'est moi. Bah non, il s'en doutera pas en plus. Non, on ferait pas ça. Vous savez, mais je tire un peu au-dessus de la tête, vous voyez, pour faire peur. Ah, le tuer pas, ouais, ce serait dommage. Non ah oui, mais non, quand même. Comment il ferait pour s'enterrer tout seul après? Un beau petit boule comme ça qui mourrait, ce serait dommage, non? Un beau petit quoi? Un fessier. Bah dis donc, quand même. Oh, bah c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Attention, poussez-vous. C'est pas moi. Ah non, ça c'est pas vous. L'arme à la main. Ah, vous dites bien que c'est pas moi, hein. On fait genre, hein. Ouais, là, voilà. Ah! Oh là là, mais où est-ce que ça a tiré? Oui, mais ça a... qui a fait ça? Oui, ça a tiré, je suis pas fou, ça a tiré. Ah, hein. Mais je me demande, qui est-ce elle que court, c'est? Elle court, on va en prendre plein la gueule, tu m'étonnes. Qui a pu tirer? Ah, mais je... Je les ai vus tirer sur moi, seigneur, j'ai porté plate, hein, je crois. Hein. Comment ça, mais monsieur, je n'ai pas de fusil, de quoi vous parlez? Vous rigolez ou quoi, je on le voit dans ton dos, le fusil, hein. J'ai porté plate contre vous, là. Allez-y, monsieur Spectaculaire. Je vais prendre un avocat encore plus fort que vous. Il n'y a personne de plus fort que moi, monsieur Spectaculaire. Bon, vous si, connaissez Maître Montoya, peut-être Maître... Ah, un certain Sancho, non? Si, il peut mettre une robe d'avocat, je suis avocat, moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, il y a Mary Jane Hawkins, elle est meilleure que lui. Hein. Ça, c'est faux, ça. Il n'y a pas pris le bon, alors. Elle n'est pas plus forte que moi. Vous faites quoi, là? Bah en mine. Et m'attendre. Ah ça a l'air bien. Ah, d'ailleurs t'as loupé le procès du bois, j'ai sorti le meilleur plaidoyer de ma vie. Ouais elle est un peu chaud la petite perle. Bah oui, il faisait 32 degrés. Ça ouais, fait chaud ici. Attendez, c'est strictement professionnel mais... Ah oui. Ah quand même. Ouais non, il fait chaud au niveau ciné. Mais il fait chaud, hein, j'étais en train d'oublier là, je... Voilà, non mais c'est normal, Signora, je suis arrivé, la température est montée de 10 degrés. Ah, mais c'est ça, c'est spectaculaire. C'est ça, quand c'est l'effet spectaculaire. Quand on voit votre moustache, on est... Si. Vous savez pourquoi, Seigneur Mike, il est chaud? Pourquoi? Parce qu'il vous a vu et ses cheveux en sont tombés? Non, il veut me rassembler, c'est ça. Oh. Ah bah voilà, monsieur Dubois, vous avez vu, vous aussi, vous avez chaud. J'aère sous les bras, là. Moi, ça m'a fait de la peine de voir un grand avocat qui doit casser les cailloux pour vivre. Ah, c'est vrai que... plaisir à monsieur Luc. Mais où, service. Ah, il est vu à Saint-Denis tout à l'heure. Il doit être à Saint-Denis encore. Ah bon? Il y a Hermano Amago, il est le braqué. Il lui dit, mais non, c'est Seigneur Dieu qui compte, quoi. Ah oui, c'est pas malin, ça. Mais votre Hermano, il se serait pris un revers de la main et puis il serait parti la queue entre les jambes, hein. Parce que monsieur Luc, il faut pas l'embêter. Si, si, c'est pour ça que je lui ai dit. Ça a l'air trop intéressant de ce que vous faites, seigneur. Bah ouais, mais ça rapporte. C'est pour ça, on regarde tous. Si vous rendez ça qui à mon référent. Ça rapporte 14$ de l'heure. Hein, c'est monsieur Dieu qui rachète, qui rachète c'est... bien. C'est Mike. Dieu qui revend aussi à Mike après. Oui, oui, c'est à Mike. Alors que si vous vendez directement à Mike, moi je dis ça, je dis rien. Ah non, on participe à l'économie financière. Combien si on donne directement à Mike? Consommation. Eh ben, je sais pas comment vous touchez. C'est nous, c'est 35. Au pire, je vous dis, vous me donnez 20$ chacun. Et comme ça, après, c'est bon, quoi. Ah, c'est nous qu'on vous donne de l'argent? Ah oui, on va vous payer pour travailler, du coup. Si. Ouais. Ah, moi, je vous le dis pour 10$. Seulement. Bon, moi, je vais là. Et moi, je vous écoute pour 40. Ah d'accord, donc nous, on vous attend et vous, vous vous
barrez quand vous avez bon. Fini, quoi. Bon, c'est parti, hein. Ah bah super. Venez, venez, dis donc. Bah oui, mais enfin, vous pourriez... un quart d'heure qu'on l'attend pour qu'il se tienne compagnie. Ah, vous avez vu. Il est égoïste, il peint ce cas d'argent. Ah, là, mais il prend vraiment l'argent, hein. Oui, c'est vrai que... Ouais, avec mon petit haut, là, c'est fou. Attention, on peut prendre des épines dedans, hein. Ah bah là, je... Oui, j'ai une épine dedans. Vous allez avoir des épines entre les jumeaux, là. À travailler à la pioche et tout, là, ouais. Si, si, non, c'est bon. Il est déjà fait à Sissika, c'est bon. Ah bah oui, il y a les cailloux, ouais. Si. Ah, j'ai fait un petit tour à Sissika aussi. Ah bon? Oui. Ah oui, vous aussi, monsieur Dubois? Ah, monsieur Dubois. J'ai été condamné pour honnêteté. Quoi? Ah, honnêteté, oui. Tout à fait. Moi, il était là-bas pour l'innocence, moi. Par le mari de Miss Dixon. On est tous innocents en prison, non? Exactement. Voilà, voilà. Oh! Oula! Eh, ça glisse, hein? Ah oui! C'est ce que je voulais faire. Ah, Miss Duval! Mais c'est. Mais y'a même pas des. Y'a même pas. Non, mais y'a surtout même pas d'escalier, même pas d'échelle, rien du tout, quoi. Non, faut passer par là. Ah oui, je vois ça, oui. Vous pouvez me l'enlever, s'il vous plaît, parce que. Attendez. Ah, vous avez fait combien de temps? Ah, merci, Miss Duval, c'est gentil. Eh, j'ai fait. Bon, une demi-heure. Ah, ça va. Ça va, ça va. Moi, j'ai fait une heure et après, je me suis endormi, j'ai dû faire une heure encore. Hey, ah, c'est dommage ça! À un moment donné, tu étais pas resté dans le désert. Bah oui, on est. On était dans le désert. On est dans le désert. C'était long, hein. Ah oui, c'est. C'était long, hein. Mais ouais, voilà. C'était pas... Et c'est vrai, condamnation. Sur les. Comment dire, les gardiens, vous les avez vus ou pas? Ah, moi, j'ai jamais été à Sissika, donc. Ah oui, je les ai vus. Ouais. C'est tordu, là. Ils m'ont fait danser. Si, ils m'ont fait danser et chanter pour sortir plus vite. Ah, ils t'ont fait ça? Oui, mais il m'appelait Spectacular, il m'a dit oh, t'appelais Spectacular, tu veux faire le spectacle. Ah mais oui, j'ai entendu dire que vous chantiez très bien. Si, bien sûr. Tu chantes? J'ai jamais entendu ça, eh. Ah bon? Ah ouais? Je chante très bien. Je chante une chanson toujours quand je vois quelqu'un. Ah bah, tu m'as jamais chanté une chanson, eh. Bah, quoi, faire, regarde. Voilà. Ah c'est une belle chanson, ça. Hola, hola, señor. Hola, hola, señor. Leve tes mains ou je te mets une cabeza. Ah. Donne-moi tous les dineros, donne-moi tous les dineros, y'a te mata en culado di merda. Voilà. Incroyable. Oh, c'est. Putain, tu es un poète, eh. C'est incroyable. J'ai le temps d'écrire. Mais comment résister? C'est pour ça que je travaille pas. Ça, je peux écrire des chansons. Ah bah oui, allez, plus vite, le trabaro, là. Vous devriez vous produire sur scène. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, bien vous prenez sûr. Pas pour le patron. Allez, allez, André. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non. Ça le fait de les donner à Seigneur Mac gratuitement. Oui, d'accord. Allez, André. Ce sera fait, monsieur. J'aime bien faire ça. Pas tout à fait, monsieur Montoya. Si, d'ailleurs, j'ai postulé pour devenir shérif, je suis pas voulu. Quoi? C'est ouais, étonnant. C'est étonnant. Oh, un shérif qui chante. Je suis vraiment étonné. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'être droit, réglo. À quel nom tu as postulé parce que... Ah non, normalement, je suis allé normalement, il savait que j'étais spectaculaire, il venait de m'arrêter, il dit « Ah, moi, je voudrais bien devenir shérif, c'est mon rêve. » C'est tu dis non. Est-ce que vous avez essayé en tant que la fille? Non, non, là, je suis grillé, ils m'ont reconnu là-bas. Ah. Ils m'ont mis usurpation d'identité en plus, là. Ah merde. Putain, moi, je trouvais que c'était le coup du siècle, te faire recenser en tant que femme à Saint-Denis. Si, mais là, ils ont trouvé. Bah, c'est la moustache. T'allais si. Dire, je pense que la moustache a donné une piste. Si, après, vu que je me suis pris moi-même en otage là, tout à l'heure, là. Et ça a fonctionné? Non, ça a pas marché, mais... Ah, si, au début, ils ont cru, en fait, il y avait mon manteau, je l'ai enlevé. Hey, je suis en otage, il va me tuer, tu vois, j'ai fait ça. Et ils ont vraiment cru au début. Et après, ils ont voulu me porter plainte pour séquestration, mais j'ai dit, mais c'était sur moi-même. J'ai pas porté plainte contre moi-même. Tu t'es auto-séquestré. Ouais, voilà, j'ai dit, vous êtes pris en otage vous-même. Du coup, t'as porté plainte contre toi-même? Bah non, il a pas porté plainte, sinon il y a eu je sais pas combien de temps, là. Putain de... Si vous voulez, je fais votre otage la prochaine fois. Ah bah oui, il propose des fois ça. Il a demandé à Newton, là, le jour, là, le petit rouquin, là. On a pas eu de nouvelles de lui depuis... Newton Dent? Oui, je lui ai dit, tu viens avec moi, il va braquer un magasin. Putain, c'est mon employé. Ah bon, mais il est gentil, il est poli, tu vois, il va dire jamais il va traîner avec un gars comme moi, tu vois. Et genre, je lui mets les billets dans la poche, tu vois. Et genre, après, comme ça, quand je me fais attraper, bah, il peut rien prendre, tu vois. Ah, ça m'étonnerait qu'il accuse de complicité, hein. Ouais, mais il voulait le faire, lui.
Ah, il avait envie, il voulait... Ah, il était d'accord pour Newton Dent. Si, si. Eh ben... Eh ben, le petit Newton, il cache... Mais après, si il a une mana, il va faire avec moi, bien sûr. Ah, Denise, vous pourriez faire totalement innocente, non? Ouais, moi, je sais bien, moi. Ah bah voilà, moi, je sais faire, ça. Va faire votre Denise. Allez-y, proposez-vous pour être sûr. Ouais, mais bon, le problème, c'est que depuis tout à l'heure, il nous parle tous ses coups qu'il a ratés, alors ça me fait un peu peur. Ah, mais c'est après, pas grave, parce que comme ça, vous, vous partez avec l'argent et après, vous lui rendez une moitié. Mais par contre, quand il me fait attraper, vous portez pas plainte, hein. Vous dites que c'est pas grave, que vous pardonnez, que Dieu vous a appris à pardonner. Que je sais ce que c'est, les erreurs de jeunesse. Voilà. Mais si, Denis, je pense que c'est une super bonne idée. Pourquoi pas? C'est offre, frère, je dirais. C'est quoi, Denis, votre nom? Denis Duval. D'accord. Après, je peux pas le faire avec l'autre mana parce que j'ai peur qu'elle chante. Ah, mais ah bah, comme ça, vous feriez un duo? Si, si. La première fois que vous êtes arrivé à Armadio, ah, vous avez chanté. J'ai entendu chanter. Si. Ah. Si, des fois, j'ai fait des cauchemars encore. Mais pourtant, je chante bien. Vous faites après, un sacré effet, Miss. Ah si, on pourrait le faire un jour, venez avec moi et vous chantez au milieu de la route, les shérifs ils viendront jamais. Bah les shérifs, ils s'approcheront pas. Ils explosent. Ah ou sinon, vous, si, si vous avez un gars que vous aimez pas, que vous avez attrapé, vous le torturez à la fausse enchantée. Oui voilà, hein. Si vous voulez que je torture des gens, moi je peux hein. Ah, on peut faire ça, je veux ouais. Bien être payé pour torturer des gens, y'a pas de soucis hein. Si si, on les enferme, on leur met un sac sur la tête et vous chantez là, fois. Mani Grisou. Madre de Dieu, je sais pas si c'est un bon chrétien de pouvoir faire ça, je sais pas. J'ai fait beaucoup d'horreurs dans ma vie. Oui, là je pense que... Là on est bon pour la corde après. Je pense que vous dépassez certaines limites là. Oui, monsieur Spectacular, n'oubliez pas la corde, hein. Je vous ai pas si, mais il tue personne, hein. Seigneur, il tire un peu en l'air, un peu vers les shérifs, mais voilà. Ah, ça j'ai c'est pas bien. Touché. Moi j'ai fait jamais les meurtres. C'est bien. Voilà. Vous êtes un bandit, mais un bandit gentil. Si, il a donné ma biographie au Seigneur de Bonaventure, il la connaît. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Vous voulez que je vous la lise, moi, la biographie de Monsieur Spectacular? Ah si, vous devriez, c'est bien. Allez-y. Attendez, il faut que je la retrouve. Moi, c'est mon roman préféré, personnellement. Après, vous le connaissez par cœur, quoi. Si, c'est moi qui l'ai écrit. Un roman, une biographie. J'ai menacé Philippe avec un pistolet pour qu'il le publie. Alors, Elle Spectacular, l'élégance mexicaine au service du peuple de New Ossetine. Déjà, c'est tout un programme. C'est. Chevalier des temps modernes, dans un monde dangereux et cruel, défenseur du peuple de New Ossetine, voici l'histoire du plus grand et du plus beau desperado de notre époque. C'est vrai ça. Sancho Montoya, l'homme si présent, de son vrai nom. Est un pistolero de la grande famille Loco, une famille mexicaine du New Austin qui se bat tous les jours contre les inégalités et l'injustice des véritables bandits que sont les shérifs et le gouvernement impérialiste des États-Unis d'Amérique. Bon, hein? Pas mal, hein? Témoin des résultats de l'annexion du New Austin par les tuniques bleues et les inégalités grandissantes entre les colons et les populations autochtones. Autochtone du bois, ça va pour toi ou pas? Ça va. Autochtone. Moi, il y a pris plein de mots la bibliothèque. La famille essaye de remettre le pouvoir économique aux mains des natifs de l'ancien territoire mexicain du New Austin et devenir ainsi un acteur incontournable de la région. Señor Montoya, alias El Spectacular, est un bandito professionnel au sens noble du terme, portant la rapine et les mauvais coups au rang d'art. Mêlant élégance, agilité et danger, les autres à le faire. Cet entrepreneur à haut risque reverse la totalité de son larcin aux enfants et vieillards de New Austin, c'est comme le veulent les lois de sa famille. Non. Madame Herbery, il faut de temps en temps, il faut le petit côté romanesque. Oui, non, mais c'est juste pour savoir si c'était vrai. Mais non, mais il cherchait les enfants, les vieillards, j'ai jamais trouvé, il a gardé l'argent alors. Il a également été détenu numéro 1. À chacun de ses passages au pénitencier de Sissica. C'est un être exceptionnel, comme on aimerait en voir plus souvent. Ah, vous étiez le prisonnier de l'année à chaque fois, quoi. Oh, c'est fait. Un artiste de la cambriole, un grand maître de l'esbrouf au cœur d'or. D'ailleurs, aussi étonnant que ce soit-il,
Il reste toujours un cœur à prendre. C'est... Alors, Señoras, n'hésitez plus. Señoras. Et écrivez au pénitencier de Sisica, son adresse principale, pour en savoir plus sur ce véritable étalon mexicain. Voilà. D'accord. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est très bien écrit. Hein. Si, c'est moi, il est écrit. Chose, hein. C'est, bah, c'est chose, très, très bien écrit. Hein. Si, mais il l'a jamais mis dans le journal. Ah oui, mais c'est bien. Eh ben, si j'ai mon journal, je le publierai si vous voulez. Si, vous le publiez tous les jours. Le bandito au bunker. Si. Pas tous les jours, non. Bon, vous avez fini ou pas? Tous les jours. Bah, moi, oui. Oui. Non. Il faut aller à l'autre maintenant. Allez, André, trabalho, oui, trabalho. Oui, monsieur, oui, monsieur. On va par où, miss? Par là. Ah, c'est un peu dangereux. Oh, hein, c'est dangereux. Oh, moi, je m'attendais pas à ça. Faites attention, miss Duval. Hein. Au. Passez par en bas, du coup, mais faut grimper. Ah, s'il faut grimper, faut pas que je passe par en bas. Bonjour. Salut, toi. Tu peux passer par où après? Ah oui, non, bah, je vois que ça, hein. Il fait chaud, on va y faire un peu là, froid, mais... Miss Duval. Donnez-moi la main, Miss Duval. Non, je préférais que vous avanciez. D'accord. C'est parce que j'ai dû m'arrêter. Maintenant, si je continue, ça va aller. Mais c'est un petit peu dangereux quand même. Non, vous pouvez passer par en bas, mais faut grimper. Mais après, comment on monte? Genou, ouais. Ouais, ah, bah, ouais. Tomber, Oh, vous êtes déjà chaud, mais j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Attends. C'est la vue qui vous a fait glisser, monsieur Dubois. Ah, c'était renversant. Ah, ça l'a étourdi. Non, c'est bon. C'est juste le genou qui a pris un pet. Je commence à avoir l'habitude à force. Voilà, vous me mettez votre lampe torche dans la gueule. Voilà, Le Pacifique. C'est pour que vous y voyez quelque chose. Ouais, mais vous me mettez des coups de. Oui, et puis bah, vous l'avez bien dans les yeux, quoi. Vous avez qu'à vous pousser un petit peu, dis donc. Allez, la parole, là, vous parlez trop là. Oui, pardon, monsieur, pardon. Alors, non, on travaille, moi, on travaille. Moi, j'ai pas de passif, donc voilà, ce sera. C'est lui, Pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas de passif? Bah, madame. Vous m'avez raconté un petit peu, donc. Vous pensez. Bah, pourquoi pas? C'est horrible ce que vous dites, madame Yarberry. Ça va, c'est pas terrible ce que vous dites là. C'est horrible. Mais moi, je suis choqué. Hein. Oh bah dis donc. Je vais aller faire un tour pour me ressourcer après tant d'horreurs là. Ah bah oui, c'est horrible, dis donc, eh oh, madame Yarberry. Quand même, un peu de décence, hein. Vous n'avez pas long encore ou pas? Ah bah, un petit peu. 9 minutes. Bon, commencer. Moi, je vais aller à Armadio, vous allez là-bas après ou pas? Probablement. Probablement pas. Non, non, moi je vais aller. Va se coucher. Moi je vais aller me coucher, oui, il se fait tard pour moi, monsieur Spectacular. Si, vous avez bien raison. Bah, du coup, la bonne nuit à vous. Il est où, Dubois? Eh, d'ailleurs, c'est nous, mon ami. Mais en bas, je crois. Cul à Strawberry, seigneur. Écoutez, monsieur Spectacular, cette histoire de le balle dans le cul, il y en a. Oh, il y a personne. Alors, il y a personne qui sait trop, mais moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient totalement raison de vous avoir mis une balle dans le cul. Allez, moi, oh, bah, Lyon, vous avez fait un second trou du cul? Non, mais attendez, vous voulez rigoler ou pas? Vous voulez rigoler ou pas? Ouais. Parce qu'il a pris la balle dans le cul à Strawberry il y a quoi, il y a 3 semaines peut-être. Et l'autre fois, je me suis battu avec les godelets justement. Non, oui, c'est ça, il a pris 4 balles dans le corps, tu vois. Et dans une dans le cul. C'est pas fou. Je me suis fait tirer 2 fois dans le couloir, je vous promets, c'est vrai. Si vous avez mon dossier médical, vous allez rigoler, je vous dis. Bah, moi, je me suis pris une balle dans la cuisse. Mais dis donc, mais moi j'ai déjà pas pris, j'ai jamais. Mais dis donc, qu'est-ce que vous avez fait pour vous prendre une balle? Mais un citoyen là, qui j'ai voulu parler sur sa charrette, il a tout. Ah oui, c'est vrai, c'était à Blackwater, ça. Je m'en rappelle bien. Ah, c'est dangereux ça. Oui. Ah si, seigneur Bonaventure, faut pas aller voir la puta à Rhodes. La puta à Rhodes? Moi j'y passe jamais. J'y passe jamais à Rhodes, donc. Y a une baignoire. Ah mais oui, baignoire. Mais la dame que vous appelez quand vous êtes dans la baignoire. Voilà. On a eu la ch'touille l'autre fois. Ah d'accord. On allait voir le médecin. Vous avez eu la syphilis? Si, il a mis la pommade sur la maracas, là, sous les yeux. C'est vrai que c'est dur à soigner en plus. Donc, c'est attention ça. Hein. Je suis
un peu ridicule quoi face au médecin. Vous savez que ça, vous savez que ça peut vous faire tomber le, l'outil, hein. Ah bon? Mais ah ouais, il plus là-bas. Il se détache et après il tombe un peu comme une feuille morte. Oui, la maladie de la feuille morte, oui. Mais tout à fait. Oui, je connais. Il paraît que c'est l'eau très chaude qui permet de. Oui, exactement. Il faut mettre l'eau très chaude. L'eau très chaude, il faut frotter. Oui. Exactement. C'est une référence à Caméra Café, ça. Ah, je savais même pas qu'il y avait des bains. Si, vous allez le bain, vous mettez 10 dollars et après il y a. Oui, une... et après il y a une dame qui vient. Mais pour est-ce qu'il y a des messieurs aussi? Non, il n'y a pas de messieurs. Ah, pas d'accord. Monsieur, madame, mais madame. C'est sexy, mais madame Herbery, hein. vous n'avez pas de désir. Bah, de toute femme. Nous, les hommes. Bien évidemment, des... mais madame Herbery. Mais quoi, hommes, monsieur? Nous sommes des bêtes. Vous allez dire à monsieur que vous ne serez pas content de voir un bel homme par voix? Uniquement s'il est bien habillé, madame. Ah bah bien sûr, bah ça va avec. Après, si vous voulez, Hermano, il peut, pour 20 dollars, il vous met dans la rivière, là-bas, il n'y a pas de moins Hermano. Hein. Non, ça ira, en plus c'est plus cher, donc bon, pourquoi? Oui, c'est vrai que c'est vachement plus cher, oui. C'est plus cher, mais la qualité est quand même meilleure. Il vous donnera pas la ch'touille. Bah ça dépend s'il est passé au bain avant. Je peux pas le garantir, ça. Est-ce qu'il aura frotté ses maracas avant, quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Après, on peut le frotter dans le sable. Le pauvre. Voyez-vous, les Yvar Madio, bonne nuit, bonne aventure. Bonne soirée, monsieur Spectaculaire. Au revoir, à la prochaine, monsieur Spectaculaire. Faites attention à vous. Et bonne soirée, monsieur Spectaculaire. Si, s'il y avait un problème, allez à Madio. Bon problème. Ah, bien sûr. Mais dis donc, mesdames, je pensais pas que vous connaissiez la maladie de la feuille morte, c'est peu connu. Hein. Elle est un petit peu vieille, mais. N'oubliez pas, le spectacle n'est jamais fini. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu vieille, la maladie de la feuille morte. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Oui, parce que c'est sûrement la première fois que j'entends t'en parler ici. Ah bah vous savez, ça me dit quelque chose. Mais oui, ça te dit quelque chose. C'est un petit peu... Je sais que ça te dit quelque chose. Oui. Maladie de la feuille morte. Ah oui, oui, ça tombe après. Ah, c'est dangereux ça, hein. Oui, dangereux. Bah apparemment, Monsieur Spectaculaire l'a eu. Mais tout à fait. Ah mince. Il a dû frotter ses maracas. Oui, déjà. Avec de l'eau chaude. Oui. Mais ça vient de quoi, ça, la maladie de la feuille morte? De la dame du bain. Il a pris son bain, vous savez, avec il une dame. Il a pris son bain à Rhodes avec une dame. Ah, c'est rigolo, elle titre à Caméra Café, là, on voit jamais ça. Il se fait passer dessus par tout le monde. Et du coup, ben, elle dit donc, elle n'empêche que elle, hein. Pauvre dame, elle est bien brave, hein. Imagine, t'as un type comme Spectaculaire qui arrive, hein, tout bedonnant, qui te dit oui, bonjour, je vais chanter des chansons. Après, faut savoir y faire. C'est vrai. Ah, un grand respect aux travailleuses du sexe. Ah, oui, tout à fait. Les fameuses. Il n'y a pas d'hommes du sexe, apparemment. Ah, ben moi j'aimerais bien, mais bon, c'est interdit. Ah, moi je suis là. Faut vous payer 10 dollars aussi ou... Ah bah en tout cas on avait vu un début de show la dernière fois Moi c'est 100 dollars madame Herbery. Mais si on avait mis un billet sur une table et puis bon bah la table a absorbé. On a perdu 1 dollar à cause de nous. Oh dis donc. Vous avez pas bah voilà, vous avez même pas dansé à carioca. Ça. Ce serait pas un tango ou... danser la carioca. C'est ce serait pas sinon, un tango ou une polka. Sinon, ça va, l'inspecteur des travaux finis, là? Bah, quel inspecteur. Derrière moi, tu dis, moi, c'est très bizarre. Dis donc, sans les mains, madame Herbery. Vous vous rendez compte? Dis donc, sans les mains, Jolly Boy, il a de l'expérience. Et alors? Oh, c'était bien fait. Ah, j'en ai connu des gourgandines. Vous parlez de... Madame Herbery, je crois qu'il parle de vous, là. Il a dit la gourgandine. Parce qu'il parle de vous, monsieur. Moi, je suis un gourgandin, je suis pas une gourgandine. Ah bon, ça dépend, hein. Ça dépend des ça soirs. Dépend de l'horaire, je pense. Ça dépend des soirées, c'est vrai. Surtout quand on est à Strawberry et qu'on s'habille bizarrement. Oui. Alors là, je peux devenir une vraie gourgandine. C'est terrible. Je vous assure que c'est terrible. Ah, oh, j'aimerais beaucoup voir ça. Tout à fait, avec monsieur Dubois, c'est monsieur Maverick. Ah, oui, ça ah, je le peux Strobisserie, oui, les Strobisseries. Oui, là. Ah, oui, c'est nous, les Strobisseries. Ah, oui, c'est nous. Vous êtes que deux.
Ah non, non, on est trois. Il y a oh. Monsieur Dubois, Monsieur Maverick, ah, Monsieur Maverick. Shérif, et Monsieur et moi-même. Ah, il faut un show, il faut un show. On n'est pas des catins, ok. On a perdu ses couleurs, monsieur Stupéfique. Salut. Non, en fait, c'est pas un spectacle. C'est que pour chasser, il s'habille en noir. En fonction de ce qui s'y passe, en commun, vous voyez. Pour pas être repéré par les animaux. La première fois qu'on s'habillait comme ça, on est tombé. C'était magnifique parce que par hasard, on est tombé tous les trois habillés pareil face aux trois guitounes. Ça fait longtemps que je les ai pas croisés, les guitounes. C'était pas fait exprès. Au début, moi, j'ai cru que c'était fait exprès. Du coup, je suis arrivé, je leur fais c'est qui les putes habillés en jaune? Dis donc. Oui, oh, c'est incroyable. Et puis du coup, après, bon voilà, c'est parti, hein. On est parti à Black Water, on a vu les gens, on a vu le shérif, on leur a fait salut les copines. Non mais t'oublies le pire, c'est qu'on a fait devant le bureau des shérifs de Strawberry, on a fait une battle de danse, ah, oui, avec les oh, mais c'est, mais quelle soirée, mais c'est des canzons. Non, mais ça devait être incroyable, y a un mois à peu près. Et depuis, on n'a jamais pu retrouver le temps de le refaire parce qu'à chaque fois, Monsieur Maverick, il lui arrive tout le temps des histoires. Ah bah, dis-toi, je l'ai vu tout à l'heure, Maverick, il n'a pas su me décrocher un seul mot. Hein. Bah oui, alors qu'en vrai, c'est trop notre copine et on n'est pas des catins. C'est bien vrai. J'aurais tellement aimé voir ça, monsieur. Ah ouais, hein, t'aurais aimé voir ça. Hein. Ah bah oui, en catin. Putain, ça dégoûte, hein, putain. Elle aurait voulu faire partie du groupe, t'as vu ça? Il est encore parmi nous. Le deuxième genou et le et les fesses de Miss Pearl. Ah, tu veux que je te fasse la symétrie? Non, c'est bon. D'accord. Oh, ça va. Elles sont pas si dures donc. Attendez, je huile un peu les rotules là. Aïe. Aïe. Ah. Je me suis fait mal quand même en tout temps. Oui, bah vous avez été amorti. J'avais hein. La tête dure, je sais pas. Oui, du coup, il avait la tête dans son cul. Aussi. T'avais la tête dans le cul. Hein. Mm-hmm. Tu fais quoi, Dubois hein. C'est par où la suite, Miss Je sais pas parce que. Bah, c'est tout. C'est bon. Vous voulez faire quoi? Ah, vous voulez encore taper du caillou? Oh, non, non, pas spécialement. J'en ai trop marre. J'ai eu ma dose. C'est le travail de prolo. Hein. Moi, je suis un prolo, ok hein. Il se transforme là, il va évoluer comme un papillon. Il va évoluer en pétasse. Le problème, c'est qu'il faut pas me lancer là-dessus parce que sinon. Oui, c'est parti là. La dernière fois, il a fait ça pendant 3 quarts d'heure. À la fin, il n'arrivait plus à parler normalement. Ah bah, j'en suis sûr. Ah, il avait perdu la. Oui, j'avais perdu l'accent, dis donc, ça allait très vite. Mais il y a plein de gens quand ils chantent hein, qui perdent leur accent comme ça. Non, mais t'as trop raison là, en fait. Putain, mais c'est ouf, Joe, on a trouvé une copine qui pense comme nous, quoi. Putain, elle a trop raison. C'est trop ma besta. Bon, ouais, les pétasses. Monsieur Pacifique se transforme en Monsieur Papétasse. Les pétasses, vous arrêtez? Non, mais écoute, moi je suis pas une catin, ok. Toi la pétasse. Tout à fait, c'est ça, même c'est la pétasse. Oh, pardon, Miss. Eh non, moi je veux pas prendre, hein, c'est bon, hein. Arrêtez avec vos conneries, là. Il dit pas, ça. On arrête, excusez-nous, attendez. Eh, vous arrêtez, mais c'est faux. Je connais Monsieur Pacifique. Vous avez abandonné Monsieur Pacifique? Oui. Ah oui, non, ils se sont couchés. C'est une technique à match. Mais comment c'est une technique à match, Val, vous allez voir. Comme pour faire le serpent. Ah, mais j'ai peur de tomber. Ah ben, vous inquiétez pas, vous êtes bien accroché. Voilà, comme pour faire le serpent au sol. Vous êtes... Oh mais non, mais pas comme ça. Non mais vous avez foncé dans le mur. Bordel. Si vous foncez dans le mur, bien sûr je tombe. Elle a foncé dans le rocher. Alors j'ai tombé. Oui, mais je vous avoue que je vois pas très bien. Ouais, sans déconner, ouais. Oh, mais vous gainez les abdos là, Miss Hopper, c'est incroyable. Ah mais là, regardez, je lui fais bouger les pattes au cheval, regardez. Regardez. Ça va être une longue soirée encore. Oh.
faut que vous essayiez, Misival. Il faut partir. Ah oui, complètement. Ah, je sais plus comment on se met comme ça. C'est deux, c'est ça? Je sais plus, j'ose pas, parce que sinon je vais tomber. Non, mais elles sont où les pétasses? Pourquoi on les a... On est là. On est là, les girls. Super, putain, il y a nos bestas, quoi. J'adorais faire un truc de bim. Ouais, les girls, on est là, attendez-nous, ouais, faites pas vos pétasses. Hein. Non, nous, on n'est pas des pétasses. Allez, qui va à la soirée des filles demain? Des putes à franges. On n'est pas des putes à franges. Ok, on n'est pas des putes à franges. Hein. Putain, non, mais dis donc, putain, y'a plus de respect, quoi. Hein. T'as des goûts, putain. Ah, je crois que ça tombe là, devant là. Je vais faire un procès. Putain, j'en peux plus. Oh, j'ai ah, c'est compliqué ce soir. Salut. Ah oui, imaginez pendant un procès. Madame Dixon, vous m'appelez votre honneur, ok? Moi, je suis pas ta copine. Ça va être quelque chose. Ouais, tu vas me respecter, s'il te plaît, parce que là, ça va pas le faire. Écoute, t'es une salope, mais moi, je suis pas une salope, ok? Pourquoi on vient là? Oh là là. C'est par là qu'il faut passer? On n'a aucune idée. Ah mais moi je les suis, mais je sais pas la route. Hein. Je regarde pas trop où je vais, on se balade. Ah d'accord, on se balade. Ah très bien. Ah, faut aller à l'ouest. Oula, ah, attention. Si vous voulez vous suicider, m'emmenez pas. Oh, Miss Denise, vous avez assez vécu. Justement, si j'ai survécu, c'est en évitant les conneries. Ah, en évitant de foncer dans les ravins. Par exemple. Ah, moi je pense que je mourrais avant votre âge. Hein. Ah, faut aller à l'est. Mais les gars, les meufs là. Quelle bande de pétasses. Elle est biatch. Ah, mais oui, non, mais le problème c'est que j'allais à l'autre ouest moi. Oui. Biatch, faut nous attendre. Hein. À gauche. Bah, c'est pareil, hein, mais. Désolé les copines, hein, elle est complètement bourrée, hein, elle a bu trop un peu de Sex on the Beach. Hein. Ah ouais les billages, c'est pas cool ce que vous faites. Hein. Ah, je suis désolé. Hein. C'est vraiment pas sympa, mais on a failli dégringoler d'une falaise. Hein. Putain mais Joe, t'as trop abusé sur les margaritas. Joe, hein. Tu déconnes. Hein. Ah, putain. Hop, je suis plus là. Joe, t'es où, hein. Putain, je suis fatigué. Je commence à avoir mal à la tête, j'en ai marre. Ouais, moi aussi, ouais. Je vais faire ça jusqu'à Armadillo. Ah, moi, je vais aller voir Mike et je vais lui dire salut. Oh, t'es hâte. Salut, Mike. Tu veux que je muse les genoux devant toi, hein? Oh non. J'ai déjà envie de crever. Bah non, c'est vous le fossoyeur, comment on fait? Bah, vous m'enterrerez, hein. Ouais, mais nous on sait pas faire ça, hein. Bah, c'est un métier, un coup, hein. Ouais. Non, on confiera votre corps à Pacifique, il saura quoi en faire. Ouais. Ce qui se passe ici, ça reste ici, hein. On n'en parle pas, hein. Bah, bien évidemment. Hein. Parce que bon, ça pourrait tâcher sur ma réputation de juge. Bah, on fait quand même juge, quoi, je veux dire, bon, ça serait trop quoi. Ça pourrait tâcher comme le lit de Joe Dubois. Oh putain, ouais, votre lit, monsieur Dubois. Mais c'est du sang, j'avais l'épaule en bas. Mais du sang, quoi, c'est dégueulasse. Oui, bah je vais le laver. Oui, non, mais faut que je fasse la vaisselle aussi. Bon, un jour, peut-être. Tu vois, engager une femme de ménage. Non, mais t'as vu la gueule de la baraque, hein. Bah, je vais demander à Miss Dixon, vu qu'elle sera jamais avocate. Elle va être avocate? Oui, t'as vu la baraque, c'est pas une femme de ménage. Mais je sais pas si tu seras dur à faire le ménage. Ah non, je vais demander justement tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle passait jamais le balai. Hein. Bon, allez, ça suffit maintenant, les bêtises. Hein. Ça suffit, on reconnaît plus. Ah, ça y est, la voix est muée. Ouais, on sait plus qui je suis. Donc. Oui, c'est vrai, je commence à oublier. Ah,
Mon cheval, il dormit vacané, hein. Oui, là, j'ai l'impression que ça... c'est compliqué pour... Ça va, on arrive. Vous allez que lui donner à manger. Non, je vais pas donner à manger, du coup. Je pensais pas qu'on ferait le tour de la carte. Je pensais pas qu'on ferait des allers-retours dans le désert, comme ça. Allez, je vais descendre comme ça et ça va un peu mieux pour lui. Oh, c'est bon, on est arrivé. Hop là. Est-ce que les deux zombies sont encore là? Ah bah y'en avait plus qu'un. Oh messieurs dames, moi je vous dis la bonne nuit, hein. La bonne nuit copine. Bonne nuit Pacifique. Et bonne nuit les copines, à demain. Au revoir, pétasse. Ok, je vais pas me serrer la main qui est en train. Ouais. Ils ont l'air d'aller mieux. Allez, à plus. Ah non, chez moi c'est 19. Salut. Va bien. Allez, monsieur Dubois, tu me fais la bise. Allez, la bonne soirée. Allez, la bonne soirée. Désolé, je m'emporte un peu. J'aime bien sa version pétasse, moi. Je préfère une version pétasse, quoi. Oui. Ah, où est-ce qu'on va? Oh, bah, je sais pas. T'as pas eu de télégramme, peut-être, de Daphné, non, tiens? Non, j'ai pas eu de télégramme. Et vous, monsieur Dubois? Bah, si, mais c'est... C'est ma future conquête qui m'a répondu, mais... Ah oh. Pas du tout. D'accord. Dommage. Enfin, peut-être, on ne sait pas. On vous aurait espionné. Hein? On vous aurait espionné pour vous dire quoi faire. Ah bon? Ouais, c'est ça les copines. Pourquoi ce manteau? Pourquoi j'ai ça comme manteau? Ah bah c'est pas quand vous étiez à la boutique à Saint-Denis? Vous avez ah pas non, pris un manteau comme pas ça? C'est ça mon manteau. Non mais il y a deux genres de manteaux. Ah oui. C'est pas grave, il est bien comme ça. Ah, je trouve dire que ça fait l'affaire. Ah, je trouve qu'au niveau des manches, il va pas bien, mais... Oui, bah il s'ajuste mal, mais tous les vêtements s'ajustent mal, j'ai l'impression... Attendez, je me déshabille. Là, je me retournais. Ah, on vous a vu moins pudique. Mais regardez ce que ça fait. Regardez. Oh putain, oh là, je me retourne. Non mais... Monsieur Dubois, regardez. Non, je veux pas voir. Mais monsieur Dubois, non, arrêtez. Pas. Elle m'aguiche. Elle m'aguiche. Oh, c'est une parade nuptiale. Oh là 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 là. C'est terrible. Aussi, je m'éloigne. D'accord, c'est terrible. Non, c'est terrible. Écarte-toi de moi, Chica, je suis en train de parler. Pardon. Oula. Je savais pas qu'il y avait un téléphone ici. D'accord, il y a un téléphone. Bah oui, je le découvre. Je parlais au mieux. Mais moi aussi, c'est pour ça que je me suis approché. Je me suis dit, il est bourré. Pas du tout. Et bah, pas du tout. On fait quoi? On va où? On tue qui? Pardon. Ah, bonne question. Déjà, question très importante. Est-ce que j'ai de la tequila? Plus trop. Je vais en acheter. Ah, c'est vrai que j'ai soif. Ah, j'espère que j'ai de la place. Ah bah bonjour messieurs, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Au revoir. Et qui m'a ouvert? Ouais, bonjour. Hey, allez manger. J'entends pas de claquement de dents là. Ok, c'est bon. C'est. Allez, claquez des dents un peu. Ah non, je veux pas. Ah bah là c'est bon. Là c'est bon, c'est bon. Parfait. Merci. Ils ont plus de nourriture. Ils ont pas de chili? Bah y'a plus du chili, il y avait d'autres trucs avant. Ah mais le chili con carne il est beau, hein. Oui, c'est pas mal. Puis il est pas cher. On m'a acheté un cigare. Puis c'est Irma qui le fait ou... C'est soit Irma, soit Mike, ils le font bien. Ah, mais j'ai pas dit qu'il était pas bon. Ah, mais je lui dirais à Irma qui aime pas. Bon, j'ai juste dit que voilà, des fois je voulais manger un peu autre chose, c'est tout. D'accord, non, mais ça te plaît plus, d'accord. On lui dira même que tu as acheté la figure du. du tavernier. Exactement. Ah voilà, je suis trop résistant. Ah, bah, faut que j'aille voir le médecin.
C'est mon charisme qui me protège. Faut que j'aille voir le médecin, je suis KO. À genoux devant ton. Non, mais c'est pas possible. KO à cause de pied de chaise. Je me suis dit, waouh, emmenez-moi chez le médecin. Allez. Non, mais vraiment. Terrible. Oui, vraiment. Ah mon dieu. Duval, je trouve très condescendante. Bah, c'est que bon, la scène était quand même un petit peu le cocasse, quoi. Ah, m'attendais pas à vous voir tomber. Ah mais je m'attendais pas du tout à... Ah non plus. Moi je voulais mettre Monsieur Dubois à terre un petit peu pour rigoler et... Bah du coup il vous a mis à terre par sa pensée. Bonjour les médecins. Bonsoir. Il y a un pied de chaise qui m'a mis KO. Un pied de chaise qui vous a mis KO. Non mais elle est très forte. Qu'est-ce que vous avez fait avec le pied de chaise encore? Ben elle avait même pas encore bu. Est-ce que vous avez les chicas, vous pouvez utiliser le téléphone maintenant, y'a pas de soucis. Ah non, pas de soucis, pas de soucis, c'est surtout qu'on savait pas qu'il y en avait un. On était étonnés. Si, il était en train de faire un appel important. Oui, oui, désolé de vous avoir dérangé. Désolé de vous avoir dérangé. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Vous savez, monsieur Dubois, il est tellement, tellement rempli de muscles, regardez là. Oh là là. Allez-y, allez-y. Rempli de muscles. Bah, regardez, c'est pas le mot que j'aurais pensé. Regardez, j'arrive même pas à te dire les yeux devant ces muscles. C'est pas faux. Comment ça? Moi, j'y suis pas musclé. Faites votre danse, faites votre danse. Ah non, c'est pas, non, pas la danse. Faites votre danse, comme ça, Zora. Mais regardez, toucher ses muscles, et bah voilà, j'ai percuté ses muscles et je suis tombé KO, quoi. Bah, du coup, je voulais qu'on regarde ça. Bah oui, je suis vraiment KO en fait. Oui, oui, vraiment. Venez avec moi. Vous m'attendez? Vous m'attendez, hein? Vas-y, hein. Je vais l'accompagner. Oh, t'attends, oh, t'attends. Pourquoi l'accompagner? Parce que, est-ce que la connaissance, elle serait contente. Alors, hein. Ouh, tu veux père. Coucou toi. Eh, ça fait plusieurs fois que je vous croise, monsieur Duval, mais vous faites quoi dans la vie? Ah bah là-bas je suis pêcheuse, mais je cherchais de l'or après, parce que pêcher ça rapportait pas beaucoup. Eh, vous avez testé là? Il y a des nouveaux appâts qui sont en vente et tout? Eh ben pas encore, effectivement j'ai appris ça en arrivant. Ah. Et j'ai pas encore essayé, parce qu'il faut que j'en rachète une canne aussi, ça m'embête. Mais bon, maintenant j'aurai un peu de sous, pas de soucis. Mais faut tout racheter, j'avais fait le plein d'appâts avant. Ah mince. Apparemment ils sont plus bons non plus. Bon. Ah mince. Je connaissais des personnes qui achetaient les appâts par 400 et j'espère qu'ils sont. Ah non, ouais, c'est pas à ce point-là, heureusement, parce que j'aurais pas le stockage, mais oui, j'ai fait un petit plein. Ben, c'est pas grave. Mais je sais pas du tout s'il y a des nouveaux prix ou pas. J'ai pas du tout regardé. Et si c'est plus long ou pas qu'avant. Moi, je pêche pas trop, mais on pourrait aller pêcher chez Monsieur Duc après s'il est là. Ah oui, ça c'est une bonne idée, comme ça je pourrais essayer. Mais faut que je m'en rachète une canne à pêche du coup. Ah oui. Oui, et les appâts. Ça s'achète où, général? Général. Il y en a ici? Oui, il y en a ici, là. Ah, bah, je vais aller voir. Ah, juste en face. Ah oui. Ouais, mais il y a quelqu'un qui l'a repris. Eh, c'est une grande licence. Maintenant, c'est l'État qui gère tous les général stores. Ah, je savais pas. Ah oui, ça a été centralisé, plus ou moins. Et maintenant, dans tous les général stores, il y a les mêmes articles au même prix. Oh. C'est ça, la mondialisation? Exactement, ça commence. Ah. Canne à pêche. Ah, mais je vais peut-être. La mienne, du coup, il faut que j'achète. J'imagine qu'il n'y a plus rien à en faire. Peut-être l'acheter avant, parce que si elles ont la même tête, je vais les confondre. Ouais, je vais faire ça. Peut-être, oui. Combien 5$? Ah, ouais. Et quand même, hein. Ah, il a pas, ça va, mais. L'appât, par contre, c'est 1 cent. C'est vraiment pas cher. Oui, les appâts, ça va. C'est pour ça que c'est moins grave. La canne à pêche, ça m'embête plus. Bon, je vais la mettre quelque part. Oh, c'est trop bien! Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, quand je veux acheter la canne à pêche, le vendeur il me montre la canne à pêche, c'est incroyable! Oh, bah, je vais voir la tête! Pour savoir ce qu'il ressemble. Oh! C'est incroyable! Hein, il fait ça avec tout! Ah, il est. Oh, je vais. Et les allumettes, est-ce qu'il va me montrer les allumettes? Bah oui, les appâts, il est vraiment très. La farine? Oh mais d'accord, mais effectivement, ils ont... c'est quand même beau la modernité. Hein. Ah ouais, on a beau dire ce qu'on veut sur le capitalisme, mais... Ah c'est moderne. On peut en prendre combien d'appâts sur soi? Alors on m'avait dit 50, je sais pas 50, si ça a changé. Je vais en prendre 50.
Oh, il est brosse aussi, il faudrait que je le rachète du coup. Oh, il est montre. Non, mais c'est. Ah, on peut en prendre, non, on peut en prendre que 33. Ah, bah, c'est, ah non, c'est, pour... ah non, c'est précis. Ah non, 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 c'est parce que j'ai plus de place sur moi parce que j'ai trop de tequila. Bon, j'ai jeté ma canne là. Si quelqu'un veut la récupérer, il pourra. Bah, elle marche pas, c'est un piège. Oui. Écoutez, j'ai pas de poubelle, hein. Vous êtes fourbe. C'est une petite blague honnête. Ah, c'est fou. Ah, mais j'ai envie qu'il me montre tout maintenant. Un marteau. Oh, c'est incroyable. J'en ai pas acheté plein là par hasard. J'en ai pas acheté une seule. Bon alors. Le fait que vous m'aviez abandonné, Miss Denise. Et non, je suis partie me prendre une petite canne à pêche parce qu'on s'est dit que si on allait chez Monsieur Ray, on irait peut-être essayer de pêcher avec, avec les nouvelles cannes à pêche. Bah, maintenant que ça a un petit peu changé. Je vais en acheter une aussi parce que sinon je vais m'ennuyer. Ah bah comme ça, en plus il paraît que maintenant c'est un petit peu, voilà, avec les nouvelles cannes à pêche, ça peut avoir un certain intérêt parce que, par contre il me demande de confirmer beaucoup de fois, est-ce que si je fais comme oui, ça, ah voilà. Maintenant mes appâts, bah faut que j'y appâts, jette aussi. Appâts, vous en prendriez combien ? Bah c'est un appât par poisson forcément, on peut jamais le récupérer. Une petite vingtaine, petite trentaine, après selon vos envies. Je vais en prendre 30. Moi j'en prends une trentaine, oui, c'est ça, c'est vraiment pas beaucoup. Est-ce que vous auriez un endroit où je peux jeter mes anciens appâts avant de prendre les nouveaux? Parce que j'ai pas envie qu'ils se mélangent. On va jeter les au sol. Hein. Oui. Non, mais je sais pas, je préfère. Regardez, il y a une canne à pêche au sol. Oui, c'est peut-être moi. J'ai dû mettre un chapeau, il faut que je protège la commotion cérébrale. Pour protéger votre commotion? Oui, parce qu'il m'a mis de la pommade de pâquerette. Oh. Et qui... Ah, bah vous avez une commotion, c'est pour ça que vous tombiez? Bah ouais, je me suis... Bah vous savez, à cause du pied de chaise... Bah je pensais que vous aviez juste un souci plutôt à la cheville, quelque chose comme ça. Je vous avais même pas demandé où vous aviez mal. Ah non, c'est la tête. Oh, c'est la tête, ah oui, faut faire très attention, Lyon. Faut pas vous recogner, hein. Bah non, faut pas que je me recogne, mais faut pas que je recroise de chaise, quoi. Alors si... Monsieur Dubois. Alors vous pouvez, si vous voulez, si vous voulez pas de mal, hein. Mais je voulais pas de mal à la chaise, je voulais du mal à Monsieur Dubois. Oui, mais elle était sur le chemin, hein, donc... Bon bah voilà. Je j'ai ce qu'il trop faut. Solide. Bah oui. Alors bondis sur votre torse. Votre torse ou un pied de chaise, monsieur Dubois. Bah d'accord, ouais. Je suis trop solide. Il habite où, monsieur Duke, j'ai même pas. Vers Blackwater. Ah oui, d'accord, bon, c'est par chez moi ça. Monsieur Dubois, vous tombez bien. J'ai essayé de me rattraper, mais oui. Oh mon dieu, la blague de merde. Dites-moi. Je reviens, je vais me pendre. Je reviens, je vais me pendre. Vous voulez que je vous aide? Ah. Vous avez pas croisé M. Très bien, Duke, et toi? Par hasard? Ah bah non, justement, On les a croisés, mais il est à Saint-Denis. On va essayer de le trouver, là. D'accord. Vous avez un message à faire passer? Bah en fait, je lui avais envoyé un télégramme. Ah oui, bah il a une bonne partie de votre commande, mais... Ah, parfait. Mais du coup, il a eu un petit souci, on va dire familial. Personnel. D'accord. Personnel. Si vous le recroisez, vous lui dites que voilà, que je vais. D'accord. J'attends jusqu'à la tempête, on va dire. Les appâts, ils sont ils étaient déjà très bas. Non, un cent, on peut pas faire moins. Non. On le voit, on le dit. Mais en tout cas, il a une partie de votre commande. Ouais. Parfait. C'est-à-dire, on pourra faire des seringues comme ça, on pourra réanimer des gens. Ah oui, d'accord. Il ira faire le reste, il a dit, mais... Et parce que là, à cette heure-ci, en fait, il nous reste... Arrête de faire l'imbécile, Toby. Il nous reste... Il s'appelle Toby. Donc c'est un peu... Ah oui. Ça fait léger, ouais. Faut pas qu'il y ait plus de 10 blessés demain. Ok, bah on lui dit quand on le croise. Parfait. Merci à vous. De rien. Et faites attention aux pieds de chaise, quand même. Attention aux pieds de chaise. Et aux pipes aussi. Ah, c'est... Non, d'accord, je vois rien.
Il m'a dit pas de pipe non plus. Ouais, non, attention mais... au puppy. Bah alors, pas la peine que vous veniez avec nous alors. Bon, je dis mal, je savais pas que vous aviez la pipe vous aussi. Ah, je la fume plus. J'ai passé une bonne soirée. La même. Oui, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. J'ai froid, je pense avoir un rhume pas top. Et oui. Bah bon courage, tu vois. Mon voisin m'a réveillé. Je la connais avec la tequila. Bon, c'est pas de l'alcool, ça. C'est quoi? La tequila, c'est pas de l'alcool. Oh, c'est... un désinfectant. Voilà. Bah, j'ai de l'alcool. Ça nettoie. La première fois que j'ai amené Pacifique à Armadillo, il boit pas d'alcool, lui. Ah. Et je lui ai dit, oh, tiens, goûte, c'est du jus de fruits. Il était complètement ravagé. Vous lui avez donné à manger? Ah non, manger, non. C'est triché. Non, votre cheval, Miss. Parce qu'il n'était pas en forme. Bon. C'est bon, vous êtes yo? D'accord. Je sais pas où on va, donc je préfère monter avec vous. Et on va à Blackwater. Blackwater, d'accord. Peut-être, après, je pense pas qu'il soit à Blackwater. Peut-être aller voir à Stroberry. Oula, non, il va pas. Il est pas là-bas. Ok. Je trouve qu'il a la tête basse quand même, Botchuval. Ah non, ça a l'air d'aller. Allez, on est parti. Et là, de prendre un petit chocolat chaud vu que je suis réveillée. Monsieur. Autant profiter. Bonsoir. Exactement. Bonsoir. Alors oui, ça va peut-être te rendormir un peu, le côté lait chaud. Je vais regarder la carte avant. Donc on va à Stroberry direct? Je sais pas s'il a pas dit qu'on irait pas après. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Je vais regarder la carte avant quand même parce que... Oui, c'est mieux. Ah, il a vraiment un gros derrière votre cheval. Ah, j'aime bien moi. Ouais, il a un gros devant aussi hein. Ça s'appelle le couple de jumelles là. Non mais en vrai j'aime beaucoup hein. En plus c'est un peu rouge comme ça. Et c'est la... C'est vrai. Cette couleur là, ça s'appelle Stroberry. Et vu que j'adore la ville, bah... D'accord. Ah oui, c'est pour qu'il soit pas taché quand il a eu Stroberry quoi. Ouais, c'est ça. Après, bon, après cette race de cheval là, c'est la monture comme tous les gorditos. Bon, ça je le savais pas avant. Ah. Ah, du coup vous êtes un peu estampillé. Ah oui, d'accord. Et j'étais en contact à Novaki. Après, il y en a beaucoup. Pas trop galéré à les retrouver. Il y en a beaucoup qui ont. C'est certain que j'ai toujours pas retrouvé. C'est pas pour les gorditos. Bon, c'est pas grave. C'est hein. On se croisera. Oui, oui, tant pis. Oui. Mais ouais, j'ai retrouvé plusieurs que je voulais, ouais. Notamment. Les dernières fois où j'ai joué, j'ai retrouvé Prosper Forêt et c'était un joueur que je trouve rigolo et on s'était pas recroisé et à Daphné, pas Daphné, bah là Pearl, avec qui je suis, qui l'a croisé et qui lui a donné mon télégramme. Alors, Miss Duval, pêcheuse. Oui, à la base, oui, mes parents l'étaient, alors bon, enfin mon papa, alors ça je connais, mais bon, c'était plus histoire d'avoir un petit, d'avoir de quoi rentrer des sous en faisant quelque chose que je sais faire. Et vous faisiez quoi avant, Miss Duval? T'as même pas demandé. Avant de venir ici? Ouais, enfin, oui, parce que vous avez quand même un certain âge, vous avez pas pêché toute votre vie ici. Non, effectivement, non. Enfin, pas dans ce sens-là. Mais Mais non, avant de venir dans la région, j'étais avec... J'avais un conjoint, enfin, même mon mari, on était dans une petite ferme. D'accord. À Oklahoma City. Mais ça a pas duré très longtemps. D'accord. Et puis bon, il a pas trop aimé que j'utilise ses calèches pour transporter de la marchandise volée de certains gangs, du coup bah... Ah. C'est un petit peu fini, pas trop à l'amiable. Rebelle, Ah ouais bah je dis pas, une opportuniste. Je pensais pas ça de vous, Vidival, je suis un peu choquée. Oh bah ça c'est que le... Ça c'est le plus mignon hein. C'est la partie immergée de l'iceberg. Voilà, on va dire ça. Non, opportuniste, je préfère ce terme. Et tout le monde l'est ici hein. Ah oui, faut saisir les opportunités, vous avez exactement. Raison. Et vous Miss, vous faisiez quoi avant? Ah, je sais pas, je suis pas remontée très loin, alors comme vous voulez, vous. Ce que vous avez envie de nous dire. Disons que j'écrivais des articles
Oula. Ouais, ça c'est les hommes, hein. Non, je m'arrête aussi pour la chasse. Ah d'accord, c'est pour ça, je savais pas. Je crois qu'il y a un cochon et les cochons c'est assez... Oui, j'entends. La graisse de cochon ça coûte un dollar, je crois. Ah oui, quand même. Ouais. Je crois. Après, mais on peut... On n'arrive pas à la ramasser à chaque fois parce que des fois ils... Oui, j'avais demandé justement. Si on les tue trop fort, ils... Voilà. Mais la graisse, vous l'enlevez tout de suite quand vous dépecez le corps de la bête ou ouais. Ah d'accord. Ah donc vous avez pas besoin de transporter le corps. C'est le droit de vie. Non. Bravo. C'est beau. T'as pas réussi à le tuer quoi. 4 fois. Oui, tu lui as laissé la vie. Oh là là, quel jeune. Ouais, j'ai retrouvé plusieurs personnes comme ça quand même, Ricky. Oui. Ouais. Et puis j'ai eu des nouveaux contacts entre temps, donc ça va. Je n'en ai toujours pas beaucoup, mais ça va. Est-ce que tu vas retrouver les autres? Bah ouais, ce qu'on se dit. Oui, c'est vrai, ça arrive à tout le monde. On peut pas être au top tous les soirs. Ah. Et t'es où, Bichette? Ah, je crois qu'elle a eu peur, hein. Elle vous condamne à marcher. Oh non. Oh, Bichette. Bichette, ah, c'est bon. Ah, elle est partie de l'autre côté, elle a eu peur. Hein. Oui. Ah normal, en même temps je suis effrayant avec un arc. Donc je disais, je vivais avec mon père adoptif qui était journaliste, qui m'a appris le métier de journaliste. Et ah d'accord, c'est pour ça que vous êtes là-dedans. J'écrivais des articles dans son journal, mais bien sûr pas à mon nom parce que... Ah, vous écriviez des articles pour lui? Ouais. D'accord. Il écrivait aussi ses articles, hein, mais quand j'écrivais des articles, il me laissait les publier en son nom, quoi. C'est pour ça que vous voulez vous lire votre journal. Vous savez qu'on va dans la mauvaise direction, monsieur Dubois. Pour la strawberry? Bah non. Mais vous passez par où? Ah, vous allez prendre l'autre route? Oui, après il va juste faire une ligne droite quasiment. Ok, après. Ok. Non mais je prenais pas cette route là, moi d'habitude, c'est pour ça. Ah, vous passez par Tolletrice dans la forêt là? Ouais. Ah, le truc, c'est qu'il y a des ours, des grizzlies, des loups partout. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Ah oui, bon, ça va aller. Hein. Plus colique. Ah, regardez, il y a un petit lapin écrasé et tout, c'est mignon. Il est passé pile entre les jambes. Ouais. Il a eu de la chance. C'est fou, hein. Avant, je ne voyais pas un seul, maintenant, il bondit sur nous. C'est vrai. Et vous, monsieur Dubois, vous faisiez quoi avant? Avant quoi? Avant d'être dans la région. Je travaillais à l'usine. D'accord. Usine de quoi? Usine de gaz à Narbonne. Ah oui. C'est vrai, vous êtes de France. Mais oui, il y en a. Bon, ça s'entend. Une usine de gaz, d'accord. Et pourquoi vous êtes parti? Parce qu'on m'a viré, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient. Ça sentait le gaz. Bah non, mais il y avait des gens qui arrivaient par bateau et c'était de la moins d'œuvre moins chère et voilà. Ah. On faisait comme plus le topo quoi et donc on m'a viré. Ah oui d'accord. Ah oui. Ah oui, on vous a viré quoi. Ah bah là. Vous ouais. Êtes venu chercher le bonheur ailleurs, la fortune. Bah j'avais perdu mes parents un peu avant et du coup j'avais plus grand chose à perdre en France et je suis venu ici ouais. Ouais, je comprends. Il y avait un serpent. Ah d'accord, j'ai même pas vu. Ça le bête. Ça va. J'ai perdu mon couteau. Ah. Vous n'avez pas laissé chez le médecin? Ah, il est là, c'est bon. Je l'ai eu! Bravo! Bravo! Wouh! Oui! Ah, la technique bravo. De la chaussette! Bah, levez pas les mains, Miss Duval, on va pas vous tuer! Non, je disais bravo! Ah! Oh ah, oui. Putain! Regardez derrière vous! Ouh, ah oui,
Il y a un buffalo. Moi, avec l'arc, je peux rien faire, hein, je crois. Il y a un bison, c'est ça? Ouais. Ah oui. Ouf. Et c'est expéditif. Ouais. C'est violent, la chasse. En fait, Poussane m'a tué, mais grave. Ouais, mais c'est mieux. Y'a plus de sensations. Ah bah, moi, j'aime ça, hein. C'est quand même des énormes bêtes, ça, hein. Il ressemble plus à rien. Ah oui, là, il ressemble plus à rien. On dirait un genre de petit chien qu'ils ont tondu. Il avait disparu surtout. Oh, non. Personne tue Denise, là. C'est elle qui décide. Oh, quelle belle vue ici, quand même. C'est magnifique, hein. Oui. J'ai l'impression qu'en fait partout où on va, il y a des paysages magnifiques. C'est même vrai que c'est quand même un beau pays, hein. Ouais. La fois qu'on fait des tours en cheval comme ça, surtout quand je suis derrière quelqu'un, je peux en profiter d'autant plus et oui, je me rends compte, quoi. Vous pouvez prendre plus le temps de. Mm. Tellement de chevaux sauvages, je trouve ça beau. Ah oui, j'en avais pas vu lors de mon arrivée et puis maintenant ils reviennent un peu dans la région. Ouais. Ah, c'est impressionnant quand on voit, quand ouais, on entend le troupeau qui vient. Avaient peur de sortir. Bah oui, ça se comprend. Ah, maintenant ils ont plus peur, hein. Bah ils se sont reproduits en restant cachés. Tu montes toujours derrière une personne sur ce cheval, t'aimes pas le tien? Ah bah non, non, au contraire, je suis très souvent avec Bijou, mais. Mais bah t'es. Voilà, souvent t'es là qu'une petite partie du live, du coup tu vois pas forcément. Mais c'est que quand on est avec du monde, bah vaut mieux monter derrière quelqu'un et qu'on s'entende, peut-être qu'on puisse discuter. Que à cheval c'est chiant en fait. Rien que tous les deux là chevaucher ensemble, bah c'est chiant, t'as toujours un qui doit ralentir et tout ça, donc imagine avec un troisième cheval ou plus. Là tu vois, voilà, c'est toujours chiant. Donc moi je me mets toujours quelqu'un. Quand je suis avec quelqu'un, je me mets avec ou je propose à l'autre de monter, mais. Assez profond, ouais. Moi je m'incruste, hein, comme ça je regarde le décor et tout. Ah, c'est pour ça qu'on les met 6 pieds sous terre, ouais. Mais bah non, Bijou. Il y a des coyotes là-bas. Bijou, je l'ai fait venir, t'inquiète. Ouais, mais les coyotes se défoutent. Mais effectivement, quand t'arrives, je pense vrai, que. Ça attaque pas les coyotes. Bah, ça veut dire que quand t'arrives, je suis avec des gens et c'est cool. Ils ont plus peur de nous qu'on a peur d'eux. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas la toute bête qui va manger la grosse, hein. ouais, dites ça au serpent de niveau. Ouais, mais il va pas nous manger. Ah, il va nous tuer, mais il va pas nous manger. Bah, peu à peu, hein. Je suis pas sûr qu'un. À la rigueur, un gros boa, mais un petit serpent comme ça. Hein. Bah, disons que c'est les vautours qui nous mangeront, quoi. De quoi? Après une morsure de serpent, c'est les vautours qui nous mangeront. Oui, oui, à la rigueur. Faudrait que je chasse le. J'ai jamais essayé le crocodile. Oh, j'en ai jamais vu. Ah, je l'ai fait une fois avec une amie. C'est sympa. Ah ouais? Ouais, pas loin du bayou. J'aimerais bien chasser le crocodile. Ah, c'est bien parce que étonnamment il bouge pas trop. Gros bois de monsieur Woody. Bah, c'est des. Ah, mais cette conversation de fou. Après, le truc c'est que, ouais, une fois qu'il bouge, bon. Vaut mieux les abattre parce que s'ils vous attrapent. Mais sinon, c'est des animaux qui restent assez statiques quand même. Bah, c'est clair que quand ils se cachent dans l'eau, je pense que faut les repérer. Faut être bon pour les repérer, quoi. Ouais. Après, ils font des petits rondos à la surface. Oh. Coucou, Minou. Coucou, toi. Coucou, toi. Ils veulent pas qu'on les caresse. Non, ils sont un petit peu sauvages. Et c'est Miss Vicente, là, Vini. Je sais pas si vous la connaissez, la shérif d'ici. Non. Ah non, je ne dis rien. À chaque fois, elle a un joli accent italien. Bel gattino. Elle caresse. Comme ça? Ça veut dire chat? Bah, j'imagine. Bah, dis donc, si ça voulait dire cornemuse, ce serait un peu moins logique, quoi. Non, mais ça veut peut-être leur dire le petit mignon ou. Ça peut vouloir dire le petit mignon ou quelque chose comme ça ou. Bébé, salut Gilo! Ou... Comment ça? C'est vraiment du mal! Pardon, excusez-moi! Salut petit Gilo, j'espère que tu vas bien.
D'abord poussez au sol. Poussez-vous là, allez, c'est bon, sortir. Oh, du tête de merde. C'est vrai que, oui, dans le contexte, ça. Oh merde. Putain, y'a personne à Strawberry. Y'a personne. Au saloon peut-être, non? Ah. Je pense pas, je vois pas de chevaux devant. Ah oui, ils sont peut-être à Valentine. Je crois qu'ils nous observent. Oui. Donc. Qu'est-ce que tu veux? Travaille pour qui? Tu travailles pour qui, dis-nous tout? C'est le gardien. C'est le gardien de Strawberry. Je crois qu'on a pas le droit de passer là. On est foutu. On peut passer, on doit te payer quelque chose. Pour résoudre des énigmes. Ah non. Je pense pas qu'il va bouffer les feuilles. Hein. C'est. La oui, d'accord. Eh, ah là là, ça, petit gilot, t'étais sur quoi? De la viande de bison? C'est tellement rare la viande de bœuf. Oh, dis donc, ça c'était un sacré cadeau. Allez, ouais, ça. Ah, il va vers vous en tout cas. Ah, bah voilà. Pas les couilles. Okay. Non, mais c'est bon, il nous a laissé passer. Oh bah, je la garde alors. Ouais. Du coup, je ramasse, ouais, pareil. Ramassez ouais. Votre petite menthe là. Putain, on a réussi à la madouer. On peut faire des boissons avec la menthe, hein. Oui, c'est vrai. Des cocktails. De quoi? Ah, je t'ai mis ce griffine en bas là. Bah, Valentine, du coup, c'est de l'autre côté. Valentine peut-être ou Blackwater alors? Vous voulez pas tester Blackwater? Oh, ah, non. Ouais. Bah, alors, on est à côté, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait du monde. Moi, je pense qu'on aurait reçu un télégramme de toute façon. Je vais aller voir si j'avais pas reçu. Ah oui. Mais on vient de passer. Oui, mais il rigolait. Toutes les deux. Je rigolais très fort et j'ai pas regardé. Un FPS, ok. Ok, ok, bah nous, ça glandouille en RP, là, on veut rejoindre nos... Allez, la deuxième partie du groupe, mais... Vous faites des petits sauts? J'ai envie de me rouler dans la boue, Oh bah, avec votre jeu... Disons que votre joli décolleté, là, il risque de prendre un petit coup. Mais c'est bon pour la peau, Miss Duval. Ah oui. C'est très bon pour la peau, la peau, Miss Duval. On vous a pas dit? Ah bien, regardez, il y a vrai. Un peu de crottin de cheval à côté, c'est incroyable. Oui, c'est... Alors ça... Ah oui, vous avez toujours pas de chaussures? Quoi? Mais si, j'ai des chaussures. Ah non, c'est quand vous... C'est regardez, le reflet. Regardez, je sors un faites voir. Oh, mais comment et vous bah, faites ça? Je me roule dans la boue et je n'ai pas un seul grain de boue sur moi. Incroyable. Incroyable, je suis magicienne, monsieur. Bravo. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va. Faites attention à votre tête, rappelez-vous. Hein? C'est vos meilleurs moments dans la boue, apparemment. Mais oui, c'est très bon pour la peau, monsieur. T'aimes bien trouver dans la boue. Comme ça, vous, là, l'aristocrate. Bah, le décolleté, hein. Une femme qui se roule dans la boue, vous avez jamais vu ça? Dommage pour vous, hein. En milieu du chemin, ça doit être un peu rare. Quoique... Ici en fait, je ne sais pas, je suis pas sûr. Bon écoutez mesdames, je vais vous laisser à vos exploits. Hein. C'est pas que je me frotte à vous. Non, ça va aller. Oh là, il est tombé celui-là. Vous avez vu ça? Oui. Ah, vous avez marché dans le crottin de cheval, Midian. Oui, bah vous êtes roulé dedans, alors chacun son truc. Non, hein. Vous roulez dans la boue. Oh, vous étiez quand même pas très très long. Bagarre! Ah. Oh. Vous avez failli vous faire crocheter! J'ai failli m'empaler sur le crochet! Oh merde! Oh, oh non! Oh. Aïe! Oh non! Jamais dans le dos ça fait très 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 mal! Ah oui, oui, ça fait très 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 très, ah, très, je très mal! Je savais pas, monsieur Dubois, désolé! Et bon, petit chocolat, beau chocolat, des bisous! Je crois qu'il y avait Amélia! Je savais pas qu'il fallait pas pousser dans le dos. Ah oui, non, mais ça, ouais, ça fait très 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 mal. Oui, bah oui, bah le service 3 pieds c'est assez fourni donc ça. Ouais. Ah, t'as trop poussé dessus quoi. Enfin, bah oui, voilà, ça sert un peu de biquet quoi. Des fois, mais... Ça fait béquille. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait. Il y avait pas. Je crois que j'avais vu Miss Griffin. J'arrive, je vais me changer. D'accord.
Et voilà. Ben. Oh mais le cheval il ressemble à celui de Daphné. Oh, ça va être Lucien. Oh non. Et moi que voilà. Ah oui, j'ai cru que c'était Misokin ça. Ah oui, c'est elle pas le même. Même chapeau. Non, c'est pas le même. Ah bon? Ah, Misokin, elle a des graines de plumes là. Ah oui! Je vois qui c'est maintenant. Repère les chapeaux. Bon, bah, on attend là ou? Bah, j'ai sonné. Ah, vous avez sonné. On va attendre un peu au moins. Oui, effectivement. On a pas l'air d'arriver au point que. Mais est-ce qu'il se déplace pour moi? Allez. Je vais faire un bandage. Moi, je vais aller boire un peu d'eau. C'est quoi ici? Ah oui, c'est pour le travail. Parlez au patron. Bon, je vais boire un petit coup de flotte. Et puis, bah, je pense qu'on va aller du coup à Valentine, si j'ai bien compris. Pour essayer de voir si on trouve des copains. Si on trouve Ray et Daphné, en fait. Pour aller peut-être faire une petite session de pêche là, ça pourrait être sympa. Le truc c'est que j'ai pas beaucoup de place. Moi ça me saoule un peu. Mais bon, sinon ça. Sinon, bah voilà, je. Bah oui, et puis je pense qu'on va. On va donner. On va aussi vendre notre fer à Raduke. Et puis voilà. Et après, je sais pas. Bah après, moi je vais me coucher, hein. Bientôt 2h. Bientôt 2h, oui, bientôt 2h. Et demi même. Ah, je vais tendre un peu mes jambes. Il me reste 11 dollars, Pour un coup. Ah, enfin non, j'ai 100 dollars à la banque, mais. Ah, voilà. Bon, bah, il s'est soigné tout seul, hein. Oui. Bah, ouais. Direction Valentine, du coup. Ah bah oui. Ah je pense qu'il... Ah oh bah... Ce que je voulais pas trop vous dire, c'est que y a quelqu'un qui est mort, donc à Valentine, y a une morgue. Ah. Ah, oh bah. Y a une autre, vous êtes pas le seul croque-mort. Si, je suis... Bah y a un croque-mort à Rhodes aussi. Mais mm-hmm. Par contre, nous, on n'a pas de morgue. On n'a pas de salle un peu froide avec des glaçons ou quoi pour conserver les morts, donc c'est les docs qui s'occupent de tout ça. Ah d'accord. D'accord. Vous voulez pas nous dire qui est mort, hein? Moi de toute façon, il y a toutes les choses que je connaisse pas alors. C'est quelqu'un d'important. Oh. Ah merde. Surtout un bon ami, un bon mari, un bon père et un bon marshal. Ah, un marshal. Ah oui. Ah, j'en ai pas beaucoup rencontré. Ah, c'était celui qui était shérif de comté ici avant, le marshal Vox. Ce serait un meurtre. Non, c'est pas de. Faudrait rassurer en tout ça. C'est-à-dire qu'un suicide avec 10 balles dans le torse, c'est assez rare, quoi. C'est là pour le coup, bon. Bon alors, il est très très, pour le coup, y a il est très déterminé, quoi. C'est pas plus que déterminé. Il y a des... Il y a des pistes. Tout ce que je sais, c'est qu'ils l'ont retrouvé comme ça, dans son sang, et c'est tout. En tout cas, venant d'un marshal, enfin, assassiner un marshal, je pense que c'est la peine capitale, hein. Ah bah là, c'est ce qu'il y a à vie.
Oui. Là, je passe. Oh non, c'est pas Sissi. C'est, même, là, c'est Pendaison. Hein. Ah oui, c'est Pendaison. Là. Oui, je pense. Attendez, je vais regarder la carte parce que Valentine, j'y vais pas souvent. Je suis pas sûr. Ça, c'est... Ah si, si, voilà. Ah oui, moi, c'est vrai. Je vais regarder la carte avant. Ah. Ça, c'est bien. Vous entendez les cris dans la montagne là? J'ai entendu une bébête. C'est rien, c'est une hallucination collective. C'est rien, c'est trois grizzlies, c'est pas grave. Rien. Vous inquiétez c'est rien, pas, c'est le prochain client de Dubois, c'est tout. Les grizzlies, j'ai fait mon affaire. Hein. Bah, dites pas ça à ma fille, hein, mais. Ah, et elle les aime toujours, les grizzlies là. Ah oui, c'est vrai que c'est la petite fille qui s'est fait attaquer. Ouais. Elle était dans la forêt et on m'a raconté quelque chose d'incroyable. Ah, dites-nous tout. Il y a la Pichoune, Kai. Elle était dans... Il se baladait Pichoune. Le long de la route. Oui. Avec des amis à elle. Et à un moment donné, la petite Kai a dit « Oui, vous avez vu le grizzly, il est gentil, il nous a pas attaqué. » Et les autres, ils avaient même pas vu qu'il y avait un grizzly. Ouais. Alors ils disent, mais quel grizzly il n'y a pas. Elle descend du cheval, elle court dans la forêt. Ils ont mis 2 minutes à la retrouver. Et quand ils la retrouvent, elle est face à face à un grizzly. Le grizzly la charge. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Et le grizzly, je sais pas, il a arrêté sa charge en plein élan. Et il, ah oui. Il a fait demi-tour et il est parti. Ah ouais. Parce que... Et eux, ils sont arrivés, les armes incroyable. Ils ont vu un grizzly face à elle, ils ont paniqué. Elle leur a dit non, tirez pas, tirez pas. Ils ont pas tiré et le grizzly a fait demi-tour. C'est vraiment incroyable. C'est l'ami des grizzlies, je sais pas quoi. Ouais, mais pourquoi il y en a un qui l'a blessé alors? Ouais, je sais pas. Mais ouais. En tout cas, lui, il y a des psychopathes même chez les grizzlies. Après, il y a des jouets aussi. Bon, bah. Un grizzly qui joue avec un enfant. Ah ouais, je vais vous dire quelque chose, hein, regardez, bougez pas. Il fait une crise, il fait un AVC dans son... Bon, c'est peut-être une sorte de rituel chamanique. Je sais pas trop ce que c'est. Il dit cornemuse, cornemuse. Son cheval, je... C'est un appel à la nature. Pas du tout. C'était bizarre. Hein. Je vous dis, ce grizzly là, il fera plus jamais de mal. Ah, c'est celui qui a attaqué votre fille. Ah, vous l'avez eu. Il fera plus jamais de mal à personne. Bravo, bravo. Et vous ramassez pas? Là, vous voyez des scènes sa terre, ça vous teint, hein? Ah, ça se vend quoi, je dis. Je dis que c'est de l'argent au sol, quoi. Désolé, vous êtes blindé, mais moi. Oh bah. Oh là là. Désolé, mais il faut bien survivre dans ce pays quand même. Je suis pas vénal, hein, mais. Ouais, vous êtes encore plus vénal que Miss Dixon, oui. Quoi, mais... Alors, je la connais pas, Miss Dixon, mais il paraît que c'est pas un compliment. Ouais, bah. Non. Un but de sa personne et machin que qu'elle pensait qu'à l'argent comme monsieur Pacifique alors bon bah Pacifique il me l'a encore redit tout à l'heure hein, qu'il faisait ça pour la thune, il me disait oh 20 dollars à rien brander ça va être génial. Voilà hein, qui sommes-nous pour critiquer finalement? Bah c'est vrai hein. Non mais moi je suis pas je vous parle grisie non ben, non c'était une histoire tout à l'heure un gamin des rues je suis pas ah c'est bien. Ah, vous voulez revendre les choses que vous avez chassées ou pas? J'ai pas beaucoup de peau là. Ouais. Allez. J'avais beaucoup de viande, mais j'avais déjà vendu mes peaux. Ah, c'est au tanneur qui est ici, qu'il faut revendre. Ouais. N'importe où, mais. N'importe où, d'accord. Ouais. Un trappeur, ouais. N'importe okay. Où. Ah oui, un trappeur. Ouais. Mais faut pas leur vendre vos viandes. Vos viandes, vous pouvez les vendre largement à quelqu'un d'autre si vous avez de la viande. D'accord. Pas. Mais non, je suis pas vénale, c'est juste que je veux pouvoir m'acheter à manger tous les jours sans me soucier de... Mais non, Grizzly, oui. C'était une histoire, c'était avant, c'était il y a plusieurs jours, la semaine dernière. Il m'acheter à manger, quoi. Il y a manger, une petite qui s'est fait attaquer, c'était sa fille. Et du coup, il a couru pour le retrouver, le tuer. Et voilà, quoi. Oui, ça serait bien, effectivement. Petite maison. Vous voudriez vous installer où, vous? Je sais pas,
bar, dans le milieu style, mais une petite cabane, ça me va. Hein. Une petite maisonnette, ça me va. Quoi. Genre un peu comme la vôtre, ça me va largement, monsieur Dubois. Avec les mêmes tâches de sang. Je vais pas dégoûter ça, la Daphné et à monsieur Duke, quoi. Oh, les mots sonnent durs, hein. Je me moque, je taquine Daphné là-dessus. Non, mais vous avez vu ce qu'ils ont acheté, la Miss Diva? Ah bah non, non. Ah bah un manoir à Blackwater, quoi. Oh bah j'aimerais beaucoup. Ah mais c'est un manoir, il y a trois cheminées, trois étages. Oh, j'ai peut-être une petite idée de calcé, alors. J'aimerais bien voir ça. Il y a un peu sur les collines, pile en sortant de Blackwater. Ah oui, alors je crois que je vois, oui. Ah oui, très beau, très beau. Ah voilà, c'est une belle maison, quoi. Oui, puis en plus, on est dans les hauteurs, c'est sympa. Je comprends. Un peu de Daphné qui est pas du tout bourgeoise. Quand on peut. En disant, en disant qu'elles sont bourgeoises et que... Et c'est pour ça que vous avez voulu jouer les bourgeoises aujourd'hui. C'est ça. L'idée est venue de là. Comprends mieux. Mais vous savez que devant sa maison, il y a même des employés de maison. Hein. Oh, oui. Ah oui, hein, ils ont une dame de maison, un mec qui leur fait la cuisine, enfin voilà quoi. Ah, ils font pas semblant. Hein. Ah ouais, des vrais bourgeois quoi. Mm-hmm. Ou même un chien. Oh, ça c'est meilleur à tous. Ah, c'est. Un berger australien ou un border collé, un des deux, mais c'est mignon. Par. Bonsoir. Bonsoir. Nawa guerrière. Nawa. T'as vu, je suis une guerrière. Vous êtes des guerrières apparemment, eh. Eh oui. Moi, je suis une guerrière. Moi, ouais, ils me disent toujours guerrière. Ouais, mais moi, ils me l'ont dit avant. Comment ça, avant? Comment vous savez, avant? C'était moi d'abord. C'était moi d'abord. Et moi, voilà. Moi, je suis guerrière. On se demande qui est la plus jeune, hein. C'est vrai, vous avez quel âge, Miss Duval, là? T'as mis ça. Dame Duval, lady. 56 ans. Oh putain. Merci de la réaction. Pourquoi on me demande toujours mon âge à moi et jamais aux autres? Parce que vous avez quand même un an que Monsieur Duc, et Monsieur Duc c'est une antiquité. Hein. C'est pas une antiquité, oh, j'y vais encore plus vieux. Et il tenait le coup? J'ai vu le vieux Owen là. Owen? Oui. Oh, je sais plus son prénom. Ah, c'est. Il est presque sénile celui-là. Il parle comme ça. Oh, vous le faites bien. Oui, potentiellement. Bah putain, mais s'ils sont pas à Valentine. Bon bah là ça va, soit ils sont toujours pas, ils sont quand même pas encore à Saint-Denis quand même. À Saint-Denis si vous croyez. Après ça m'étonne qu'ils aient changé de ville et qu'ils aient pas vérifié leur télégramme. Donc soit ils sont embarqués dans quelque chose, soit bon, on va voir. Salut Rex Notice, je crois que je t'ai pas dit bonjour, je suis trop navrée. J'espère que tu vas hyper supra bien. Moi ça va. Une soirée très sympathique. Même si bah, on cherche Daphné et Red Duke, et on sait pas où ils sont. Donc, bon, toujours pas de nouvelles, j'imagine. Bonjour. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Zeille des Yons. Il n'y a pas une rivière, non? Non, on peut aller se laver à l'église, je crois. Petite rivière là par là. Ouais, il y en a une, mais Dakota quoi. Je crois qu'on peut aller se laver derrière l'église, il me semble. Il y a un petit point d'eau. On va attendre parce que sinon on va tous se perdre. Oui. On va regarder dans les buissons. On peut être caché dans des buissons. Alors ouais, je l'ai fait ta vanne. Bah, je leur dis qu'on a fait Tumbleweed, Armadillo, Strawberry, Valentine, et qu'on allait sur Saint-Denis. Excusez-moi, je vous entendais plus. Je parlais pas assez fort. Ah, pardon. Je leur ai dit qu'on avait fait un peu toutes les villes et qu'on allait sur Saint-Denis, là. Ok. Vous me dites si vous voulez monter seul, hein. Non, pas de soucis. Moi, je profite. Comme ça, je vous entends. Je regarde sur ma carte. Saint-Denis, alors. Bah, j'aurais jamais autant été à Saint-Denis qu'aujourd'hui. Ça y est, la ville vous a happé.
On s'est un peu fait chier. Oui, quand il y a personne, c'est vraiment pas passionnant. Je vous avoue que c'est pas ma ville préférée. Hein. Ah, j'aime plutôt bien. C'est chiant, hein. Il y avait personne dans les bars. Oui, c'est surtout ça, c'est que bon, malheureusement, s'il n'y a pas d'événement organisé, bah, il n'y a pas grand monde. Alors qu'à Armadillo, vous pouvez être sûr qu'il y a toujours du monde. Hein. Ah, et puis surtout, entre le bayou, les usines. Ah, c'est, l'odeur, elle est dégueulasse. Ah, même le bruit, c'est bruyant. Ah, même le bruit, sous les lampions, là, c'est horrible. Hein. Ah là là, et puis les bruits de. Je sais pas, il y a du bruit tout le temps, là, c'est. Ah bah c'est l'usine. Ils mettent des pavés, mais les pavés, la plupart ils sont remplis de boue, enfin bon, c'est bourgeois quoi. Ah j'aime pas du tout la grande ville, hein. Vraiment j'ai pas apprécié plus que ça. Oh. J'aime bien. Vous voulez tuer toutes les biches, c'est ça? Ouais. Il y en a beaucoup là quand même. C'est mon rêve, mon droit d'y croire. Non, ça c'est les chevaux. Oui si, ah, je pas les chevaux, hein. Les trouve un peu grands. Ah, elles sont loin, elles ont le droit elles de vivre. Elles sont trop loin là. Le droit de vivre. Par contre eux. Oh mais ils sont tout mignons. C'est horrible. Oula. Ça c'était pas du renard ça hein. J'ai l'impression. Non, c'était des coyotes. Ah d'accord, j'ai peur que ce soit des loups. Non, non, les qu'est-ce que. Ah, c'est les coyotes, oui. Vous êtes heureux? Ça va mieux. Les Duval pensaient que c'était des loups, mais les loups nous auraient poursuivis. Non, non, c'est pas ça, c'est. J'ai entendu un grognement qui m'a fait penser à un. Ah, c'est pas moi. Mais dites-vous que. Pourquoi vous êtes un prédateur, monsieur Duval? Ça fait peur, hein? Ah oui, je suis terrifié là. Je comprends. Ouais, du coup, si ça nous poursuit pas, c'est que c'est pas des loups. C'est pas faux. Regardez ça comme que c'est beau. J'achète des brosses, hein, parce que là, vraiment. Ah, mais moi aussi j'ai envie, mais en même temps, non, quoi. Ah, ça me fait chier de prendre une brosse et de la jeter, hein, sincèrement. Oui, ah, ouais, c'est. Non, avec les poils, c'est pas terrible leur nouveau système de brosse qui se. Qui se casse tout de suite après. Ah bah ils ont fait exprès, vous passez la brosse et les poils s'arrachent. Ah bon. Ah c'est. C'est comment ça s'appelle? C'est de la. Merde. C'est de la merde, oui. De l'usure programmée. Ouais, de la merde, ça marche aussi. Ouais. Ça. Ça marche. Ah oui. Ah, moi je disais que c'était le lobby des brosses à cheval. Oh mon dieu. Ah oui, ils nous poussent à consommer. Ça va falloir que j'appelle une amie journaliste. Elle s'appelle Élise Lucé, elle va mettre ça au clair. Ah, Élise. Ah, il est peut-être en train de garder la ferme de Monsieur Kaiser, non? C'est pas comme si moi non plus j'étais pas journaliste. Vous êtes journaliste? Faites exprès. Bah, mais non, mais depuis quand? Bah, non, mais je suis journaliste quand même, c'est pas parce que j'ai pas de boulot en ce moment que. Oui, d'accord. Journaliste au chômage, quoi. Boulot, c'est parce que. Vous, comme vous n'avez pas de mort à enterrer, vous restez croque-mort. Oui, mais bon, vous avez un cabinet pour écrire vos journaux? Pas pour l'instant. Elle a sa tête. Vous avez de quoi les imprimer, les journaux? Bah non, pas pour l'instant, justement, un problème. Ouais, bah vous avez un rêve, quoi, plus qu'un métier. Non, mon métier, c'est journaliste, c'est juste que pour l'instant, j'ai pas d'employeur, quoi. Il enchaîne. Et c'est en marche, ça, ou pas? Parce que j'ai découvert que. C'est trop ça. Ça fait une semaine qu'il envoie des télégrammes au gouvernement et que personne lui répond qu'il est mort. Ah bon? Ah, c'est compliqué quoi, du coup. Il était un peu. Chafouin. Après, peut-être qu'ils étudient sa demande aussi. Enfin, il pourrait au moins lui répondre. Demandez à monsieur Weber, le doc. Il est. Bah, parce qu'il est doc, mais il est aussi très très bientôt maire adjoint d'Armadillo. Ouais. Oh! Et il pourra peut-être faire remonter le dossier, je sais pas, mais. Bah là, c'est le maire qui a envoyé des télégrammes. Bon, ah ouais, non, mais c'est bizarre. Mais c'est le gouvernement qui lui répond pas, enfin, c'est ce qu'il me dit en tout cas. Bah, moi, je lui fais confiance au maire, enfin, je veux dire, voilà, je peux rien faire de.
Mais y a pas d'autres journaux dans le coin. On va arriver à de nuit à Saint-Denis. À chaque fois, je vois cette ville. Moi, cette ville que de nuit. Je vais avoir de jour. De l'Ouest et... Non, je crois qu'il y en a un autre. Hein. Ah bon? Je crois, je suis pas sûr. Mais j'ai demandé plusieurs fois s'il y avait un autre journal et on m'a dit que le Baroudeur de l'Ouest. Mais bon, je me dis, je demande à tout le monde parce que. Ah bah c'est celui qui est tenu par. Par là, non? Celui qui est tenu par Benjamin Horton. Ça, c'est le Baroudeur de l'Ouest, ouais. Ouais, je crois, ouais, en fait, je crois qu'il y a que lui, hein. Que Marie Cunningham, elle bosse pour lui. Olga Phillips, elle bosse pour lui. Moi, j'aurais voulu un journal un peu plus. Vous voyez. Avec plus de piquant. C'est ça. Un peu plus oui. Rebelle, on va dire. Vous pourriez l'appeler le cactus. Bah, c'était déjà le nom que j'ai. Ah, vous, vous inquiétez pas. Que... pas du tout. Le cactus, l'info qui pique. Oui, c'était ça. Oui. Et sinon, non, mais après, au Baroudeur de l'Ouest, vous connaissez Olga Phillips? Bah, je la connais pas personnellement, mais je l'ai vue vite fait au mariage, je l'ai croisée une fois à Armadillo. Je vous conseille de lire un article à elle si vous l'avez pas lu. Oui, si, celui-là, je l'ai lu, mais bon, j'ai lu les autres numéros aussi, et il y a que celui-là qui est vraiment... Bah, celui-là, bah, c'est Olga Phillips qui l'a fait. Ouais, j'ai vu, mais ça a été validé par tout le monde, hein. Donc même si vous voulez faire des articles avec du piquant, vous pouvez le faire chez le Bandeur. Ouais, mais je trouve ça même un peu trop actuel, je sais pas comment vous expliquer. Consensuel plutôt. Consensuel, ouais. Contractuel, c'est quand on a un contrat. Ouais, enfin bref. C'est moi le consensuel. Ah, vous êtes un con et vous êtes en deux mots, c'est ça? Ah oui. Alors, con, je valide, sensuel. Oh bah, super. Je pense qu'elle valide en vrai. Hein. Oh bah, on passe des super aux soirées. Hein. Mais non, vous êtes beau, je vous l'ai dit. Bah, vous avez carrément montré ses nichons tout à l'heure. Assommé par vos muscles. Ah, je comprends. Attention au galop, hein, parce que. Oui, il y a la police. Ah, et puis il y a le gouvernement juste. Vous pouvez être au trou. Oui, on va faire attention ici. À votre gauche, le gouvernement. Ah, c'est ça le gouvernement? À votre droite, la maison du Marshal Cohn. Ah, d'accord. Oui, on est pas... Okay. Avec un joli jardin. Regardez, elles sont toutes habillées pareil, ces grosses bourgeoises. Pardon, mesdames, hein, mais bon. À votre droite, la maison du Marshal Garvey. Ah oui, d'accord, on est vraiment dans le... Mais ils ont le pognon, les Marshals, hein. À votre gauche, la maison du Marshal Silver. Ah non, mais. Non, mais c'est-à-dire qu'on est dans la bonne rue, hein. Ah, on est dans la rue. Oh, mais c'est. Mais c'est fantastique, une visite avec vous, vous connaissez tout, dites-nous. Ah bah non, bah en vrai, je sais pas, je sais que. Mais regardez, elles ont toutes les mêmes robes. Les trois Marshals, ils ont les maisons qui sont dans cette rue, là. Bah, moi je les vois assez différentes, les robes, mais bon. C'est vrai que. Regardez, elles ont toutes les mêmes robes, c'est quoi, c'est. Oh, c'est la mode, hein. Ah, la mode, c'est vraiment. Ah oui, ça fait presque une secte là, hein. Ah mais ça fait peur, regardez, ça fait flipper Le truc Saint-Denis, oui, mais il pourrait être où à Saint-Denis? Je sais pas, c'est tellement grand Saint-Denis. Peut-être au Telegram ou au Black Cat. Même pas ce que c'est le Black Cat. Mais c'est pas le Black Cat? Non, je crois pas. Oh là là, mais venez. Ah oui, emmenez-nous. Mais... C'est un restaurant. Ah, c'est celui avec la façade rose? Oui, c'est l'ancien restaurant chinois. D'accord. Ah, d'accord, c'est Black Cat. J'ai voulu qu'on y aille avec Daphné, mais elle était pressée. Elle est toujours normalement comme les taureaux. Et je pense que. Va souvent là-bas. Je pense qu'on voit pas les mêmes. On voit pas les mêmes PNJ, donc. Sur le Black Cat, mais. Donc je dis rien, mais moi je les voyais pas habillés pareil. C'est vrai qu'elle chante bien, Rose. Ah oui! J'ai pu entendre une fois. C'est très bien. Vous entendez tous ces bruits là, oh là. Ah, ils cassent des assiettes là. Oh, c'est vivant, c'est vivant. C'est vivant. C'est dégueulasse, plein de buées et de bourgeois quand même. Je préfère largement Armadillo. Hein. Je vais peut-être aller voir Dame le Black Cat, mais. Y'a pas de chevaux devant. Voilà. Mais au moins on pourra manger quelque chose. Ouh là là, son cheval il va nous faire un petit coup là.
vais mettre le mien à terre. Hein. Jamais rentré, je veux voir du coup. Ah oui, c'est. Oh! Pas mal, hein? Ah oui! Ah, c'est vraiment joli! Mmh. Oh, ce petit siège là! Il y a un piano! Et ici, ils font des spécialités du monde entier. Tourte irlandaise. Ah bah, je vais prendre ça, tiens. Ah, ils font de tout ici. Avec Daphné, on est rentré dans un bar qui était qui faisait très classe. Ah, avec un étage. Et on a chanté une chanson. Ah oui, ça devait être la Bastille, oui. Eh oui. Ah oui, et puis on est rentré dans le théâtre et on a fait une pièce de théâtre aussi. Et c'était bien ? Bien, je sais pas. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par bien. Mais c'est en train de faire cuire un... Ah oui, le cochon, il est... Déjà trop... Oh merde, là. Ah, il est là, quoi. Je vais voir là-haut. Sur moi. J'adore monter des escaliers. Ils ont mis une table en deux. C'est rigolo. Oui, j'adore me voir monter et descendre des escaliers, je trouve ça incroyable. Oui. Ouais, c'est grâce à votre nouvelle tenue, ça. Qu'est-ce qu'elle a, votre nouvelle tenue? Non, je sais pas si c'est à cause de ma tenue, juste j'aime bien monter et descendre des escaliers. Je pourrais faire ça toute la journée. Ben, ben. Ah, chacun ses kinks, hein. Ah ouais, non, on ne kink shame pas, eh, bien évidemment. En tout cas, ils sont pas là, quoi. Vous croyez qu'ils ont disparu du monde? Ah, je sais pas trop, peut-être au Telegram, mais... Ouais, mais... Ils vont pas y rester au Telegram. Après, c'est vrai qu'à part ça, je vois pas trop. Mais je connais pas trop les endroits. Peut-être au marché, non? Je sais pas. Mais au marché... Le marché, ça ressemble à un coup d'or. Ça m'étonnerait qu'il soit au marché. Quand il y a des affaires, mais oui, je pense pas. Un coup de gorge. Un peu, ouais. À nuit, surtout. Pareil, on y allait avec Daphné, j'étais pas rassurée quand même, bien en bourgeoise en plus. Oh, pardon, j'ai loqué, je crois que c'est l'alcool. Et voilà. Attendu, il y a des messieurs. Ça va, je suis passé loin de lui. Il faut plus que pour pas grand-chose. Bah merde alors. Bon bah ça va être compliqué là. On va jamais les retrouver. Hein. Et puis on les retrouve pas et on croise personne. Il y a une petite trompette là-bas, non? On les retrouve pas et en plus de ça on croise personne. Vous aviez pas envoyé un télégramme? Quoi? Moi non. Vous entendez la petite trompette là? Télégramme, ouais. Ah, quelqu'un qui joue de la trompette. Ouais. Bah oui, j'ai bien entendu. Vous avez envoyé à Strawberry, peut-être à Valentine, peut-être qu'ils ont répondu. Je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait aller. Pas trop non plus. Bon, à Blackwater, c'est la dernière chose, mais ça fait encore du 10 km. Attention, c'est le dernier endroit, non? Ah, ça fait loin, vous voyez. Oui, ah oui, à côté. Mais c'est que bon, je les vois pas trop rester ici. Je sais pas. Mais en même temps, je me dis, s'ils avaient été à Blackwater, ils nous auraient sûrement répondu. Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils regardaient surtout pas beaucoup leur télégramme. Oui, c'est possible aussi. Oui, ils sont en train de découvrir leur nouveau manoir à deux. Ah, peut-être. Ils l'inaugurent ensemble. Ah bah, apparemment, c'est déjà fait ça. Vous avez dit ça à cause des traces que vous avez aperçues? Non. Ah, il y avait des traces. Parce que Monsieur Duc nous l'a dit hier. Ah d'accord. Il a dit que... il a dit très exactement, si vous voulez pas vous tromper de chambre, celle où ça sent le cul, c'est la nôtre. Ah d'accord, c'est lui qui a dit ça. Mais quel petit enfoiré. Oh là là. Le tueur. Ils sont même pas mariés, il fait une sale réputation là. Ah bah écoute, ils font ce qu'ils veulent, hein, moi je suis pas prêtre. Hein. En là, Daphné s'en fiche. Non plus, mais. Où est-ce qu'on pourrait les rejoindre? Adam,
my dear. Ou alors on les attend vers ici, je leur ai dit qu'on allait à Saint-Denis. Vous avez été vérifié les télégrammes depuis Valentine? Non, je vais regarder, mais... Vraiment, j'allais me laver, moi. Dans le dernier télégramme, je leur ai dit qu'on allait à Saint-Denis. Donc si jamais ils l'ont lu... C'est bien les pavés avec ce haut, c'est incroyable. L'escalier, les pavés, tout ça quoi. Tout ce qui vous fait vibrer quoi, ouais, c'est... Je vais me laver vite fait dans le port. Si, oui. Elle m'a dit, Daphné, elle m'a dit bouge pas, on arrive à Saint-Denis. Ah, ok. On a bien fait de vérifier. Ah, je vous avais dit de vérifier, vous voyez. Ah, ils étaient... Ah bah voilà, la seule ville qu'on a pas fait quoi. À Blackwater ? C'est comme à Daphné, hein, parce que Daphné m'a répondu, Monsieur Duc, que là, là. Ah oui, d'accord. Je vais juste me laver vite fait dans la rivière. Non, moi, je vais aller boire. Vous allez vous laver dans la rivière ? Bah, regardez-moi. Vous savez que c'est pas une rivière, c'est un port où il y a plein de bateaux dégueulasses. Hello. Ah, je sais, mais Daphné, Daphné, Bonjour, monsieur. Miss Duval, elle boit dedans, hein. Ah bah c'est Monsieur Duc qui m'a montré. Vous buvez là-dedans? Monsieur Duc qui m'a dit, on peut boire dedans, c'est gratuit. Mort, mais elle boit dedans, hein. Bah n'ayez pas peur, monsieur. Je sais que je suis très charismatique, mais quand même. On fait des ravages sur le port. Ah bah oui. Tout le monde se retourne. Non, regardez pas mes fesses, monsieur. Pas, ouais. Ah, c'est pas possible, tout le monde regarde mes fesses, j'ai l'impression d'être un objet. Ah c'est vrai, passer devant, d'ailleurs. Ah voilà, merci. Ah ouais, super. Attends qu'à faire, voilà, en fait, voilà comme ça, très bien. Vous voulez pas vous asseoir avec une pipe dans la main? Ah non. Ça... Vous pensez? Ouais. Ah ça va peut-être faire pareil. Bagarre. Même plus propre là. Attendez, je vous donne une pipe, enfin je vous... Vous voyez? Ouais, elle vous offre une petite pipe. Je vous offre une petite pipe. Dites-toi. Ah, vous m'avez... Ah, je voulais vous faire toutes mes pipes. Vous pouvez me rendre des pipes, s'il vous plaît? Vous rendre des pipes. Alors, gardez-en qu'une pipe, hein. Je vous donne... Une pipe à la fois, une pipe à la fois. Merci, ouais, une pipe à la fois, on va pas non plus, hein. Je vous donne deux pipes. Merci. On n'est pas des sauvages, hein. Bah non. Vous n'êtes pas des baits. Peut-être essayer de pêcher, alors, en attendant. Comme ça, je vais voir un petit peu comment ça marche, mais... maintenant. Ouais, mais moi, je m'assois pas comme vous, ça va pas marcher. Je peux pas, essayer, on verra bien. Déjà, il faut mettre l'autre position, votre bras devant. Celle-ci ? Ouais. Non, ça cache vos fesses, c'est pas rigolo. Ah, pardon. Ah ouais, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Allez-y, mettez-vous derrière et admirez. Ah oui. Mais... C'est jamais... Non, mais peut-être pas, hein, mais bon. Allez-y. Ouais, pas tellement, ah, hein. Un petit peu, mais bon, pas autant, quoi. Oh là là, par c'est contre, pas aussi joli que quand je m'assois, quoi. Que je suis charismatique, là, c'est fou. Ah, c'est vrai que vous faites très bonhomme, quoi. Ah là, les fesses dans l'eau. Et donc, qu'est-ce qu'ils me prennent? Oh là là, oh, je vais m'acheter des pipes tout le temps. Mais non, mais putain de merde. Alors, on la pêche? Bon, déjà, j'essaie de placer mon appât parce qu'il faut le placer un par un. Ah oui, d'accord, préparation. Ah oui, d'accord. On va peut-être l'attendre au télégramme, non? On va peut-être l'attendre au télégramme. Oh, dis donc, oui, ça a beaucoup changé. C'est pas les mêmes cadres qu'avant. Alors, contrôle. Moulinet. Ah, je mouline pas là. Mouline. Bah ça marche pas mouliner doucement.
Peut-être que j'attends que ça morde. J'arrive même plus à stopper. Bon, j'essaie une dernière fois. Est-ce que la pêche est bonne? Vous en faites un beau de poison là. La pêche est bonne, j'ai du mal. Vous ne répondez pas à du mal, bon quand même. J'essaye de faire marcher ma canne à pêche. Voilà, c'est bien aussi. Ah oui, ça fatigue hein. Oui. Non mais j'arrive pas à faire marcher ma canne à pêche. Ah. Le moulinet bah, il est bloqué quand je le... Ça marche pas, mais du mal... Ça va m'énerver ça je crois. Ah. Mais non mais je... Le moulinet en fait quand je... Bah, quand je l'utilise il mouline pas. Voilà, c'est... il est bloqué. Alors c'est pas trop bâtard. Je pense que c'est un coup de main à prendre. Oui. Faudra que je vois si d'autres personnes ont pêché qui pourraient m'expliquer un petit peu comment utiliser le moulinet. Peut-être que, peut-être ouais. que j'utilise mal. En tout cas, ça a bien changé. Ouais. Mais merci pour le petit divertissement. De rien. Vous voulez une pipe? Allez, il veut bien. Allez, attendez, bah, rangez votre canne à pêche. Canne à pêche et pipe. Ce serait un super livre. Ah mince, je peux pas vous donner de pipe si j'ai une pipe dans la main. Oh bah c'est pas grave, on verra ça plus tard. Bah ouais, surtout qu'il m'en reste qu'une, ça me dérangeait pas de oh vous bah la non, donner. Oh bah non, c'est pas un souci, j'en prendrai. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez vu la technique quand on s'assoit avec une pipe? Alors oui, j'ai vu ça. C'est incroyable hein. Mais vu que j'en ai jamais fumé, je sais pas vraiment comment ça se vive. Ça vous ferait un petit boule d'enfer, Duval. Ah bah déjà... Bonsoir, salut Dos. Déjà la petite danse, saludos. Saludos. Oh là là, décidément. Ah ça fait travailler le gainage hein. Oula c'est bizarre Miss Duval. Vous êtes... Ah j'entends comme si vous étiez en train de mouliner quelque chose. Ah vous entendez... Ah vous... Moi j'entends pas hein. Ah vous ah. Et eh ben. Je vais me poser dans 10 minutes, j'arrive. De toute façon, il y a la tempête dans 10 minutes. Attendez, essayez peut-être de sortir quelque chose de votre poche, genre un couteau ou quoi que ce soit. Hello there. Sortir ma canne à pêche. De toute façon, il y a la tempête dans 10 minutes. C'est pas ma canne à pêche. c'est pas votre canne à pêche. Alors, après, ça peut être une technique de pêche, Miss Duval. Hein. Ah oui, bah, oui, on l'a fait à l'arc la dernière fois. Ah bah, moi je pêche avec ça. Hein. Mais vous les revendez où vos poissons? Je crois que c'est au truc au magasin de pêche, sur les coins de pêche. Ah oui? Ou alors aux étals, s'il y a des étals de poissons. Ah d'accord. Ah c'est bon ça. Oh merci. Dieu c'est merci. Bon ah oui. Arrêtez. Oui parce que ça faisait oui. Mais moi je l'ai pas entendu. Dirais moi qui chante. Ah non, vous qui chante c'est pire. Quoi?
Vous allez arriver, hein, monsieur. Tu vois, je trouve vraiment. Non, mais je pense que. Regardez, il n'y a aucun chat à Saint-Denis. Ils ont fui. Mais j'ai pas chanté. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ils vont. Les chiens aussi. Les chiens aussi. Les chiens aussi. Oh. Oh putain. Bonjour, monsieur. C'est pas comme ça qu'on s'assoit. Nous sommes là. Voilà, voilà. Oui, je vais y aller aussi. Pour les vides. Soir ou soir. Bah, en fait, mais mademoiselle Pearl. En fait. Oui. Ah. Oui. Que c'est que ce... Oui, j'ai dit la même chose. Oui. Bah, il faisait chaud, Mine. Merci. D'accord. Ça avait rarement été aussi direct. Et non, je vous ai envoyé un télégramme, monsieur Duc. Mais pas vous lisez pas mon télégramme. Il y a un manteau. Alors on a cartonné deux fois Rose dans la même soirée, je pense que ses parents vont nous la confier bientôt. Oui, alors. C'est possible quoi qu'on soit pris une calèche en, de plein fouet. Alors ça, c'est Daphné. Hein. Ah ouh. Non, mais. Ah ouh. Oh là là. On est tombé sur un sale type qui roulait à fond à la caisse dans des pentes, on le voyait pas. Il m'a cartonné et après, apparemment, il voulait me fouiller en plus. Non, mais. Oui, d'accord. Ah. Ouais, ça je suis pas sûr, mais. Je l'ai fait éloigner parce qu'il s'agenouillait près de toi là. Oula, il était bizarre. Oui. Bah bonsoir à vous aussi, mais Ouais. Les monstres ne tordent pas quand on cartonne les gens. Celle-là, elle voulait du Duke, celle-là. Oui, elle s'est frottée, là. Vous voulez que Daphné vous frappe ou... Papa, bon, bah, ouais. Attention, celui-là, il veut de la Daphné, là, attention. Ah bah là par contre, non, il me dit du coup. Rigole moins. Je peux pas, j'ai trop mal, mais bon. Il y a peut-être une qui va partir avant la fin de la soirée, je sens. Ça va. Elle fait 120 ans. Eh, au fait, on n'est pas venu chercher des médecins. Ah si, c'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient été en train de baisser des pètes. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a fait. Bah, il est rentré dedans à cheval. Ah. Ah d'accord. Ah merde. Pas sûr qu'il y ait des médecins. Oh, cette démarche comme vous courez, c'est incroyable. Ah oui. Incroyable, hein, je sais. Ça impressionne, hein, si tu vois. Oh là là. Oh, c'est bon, hein. Là, c'est couru, hein. Oh, ma bijou. Coucou, bijou. Doudou, doudou. On est quelle heure? Oh là là, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, faut que j'aille me coucher. Paris sur ma plan. Merci, bonsoir. Good evening to you. Je sais même pas où sont les médecins. Ils sont là-bas. D'accord, pour la protéger au cas où qu'elle disait les d'accord. Choses. D'accord. Ouais, non, c'est parce qu'elle a eu une. Zaya, Rose, Alec. Ah, je pense que c'est au cas où qu'elle disait des choses qui ne plaisent pas aux clients en fait. Oui, bah, aussi. Ah, c'est aussi. Magnifique. C'est super joli. C'est, l'ambiance est incroyable. Et j'ai dormi un mois ici. D'accord. L'ambiance est vraiment, vraiment super sympa. Oui, dis donc, c'est beau. Il y a la moitié de l'étain qui est passée là-dedans. Trop mignon. À bientôt au Far West Festival avec plaisir, Pose-Bear. Honnêtement, je n'arrive pas à me rappeler qui c'est exactement. Ah, c'est un ami, il m'avait donné son cattleman, c'est un bon type. Ah. Désolé. Non, mais... c'est pas grave. D'habitude. C'est grave quand même. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va sauver Isaiah ou on le laisse crever? Ah bah.
Moi je dis comme ça que ah, il la cherche. Non, allez, on y va. Non, mais il y a la tempête. Tu sais qu'en plus c'est lui qui l'a cartonné, vraiment. Bah, c'est... On attend la tempête, on y va. Et on va attendre la tempête quand même. Il y a la tempête dans le premier. Il y a des chances qu'il soit plus là où on... J'ai vu trois rats qui se baladaient. Ça veut dire 3 minutes, 3 rats. Ça, c'est les filles d'Armadillo et content, rats qui se baladent. Oui. Oui, ça, ils m'ont appris à. Si vous voyez 3 rats courir, vous savez que. C'est ça. C'est là. Il y a des rats partout à Armadillo, c'est terrible. C'est l'enfer. C'est vrai. Il y en a beaucoup. Du bois ou pas ? Ils mettent des coups de pompe dans les. Toucher du bois, ça porte chance. Ah. Par contre, c'est bien que j'ai une petite escorte pour rentrer aussi. Ah, mais touchez-vous, mais pas à côté de nous. Quoi, hein. Pourquoi vous êtes à côté de nous ou quoi ? J'ai un peu vendu tout mon fer. Ah, j'ai du métal pour vous. Donc j'ai possiblement 220$ sur moi. Ah d'ailleurs, il y a le métal qui vous a demandé. Ça va. Qu'est-ce que c'est de nos jours ? Bah franchement, pas grand chose. Qui a demandé quoi ? Le médecin, il a demandé si on vous voyait, tout ça. Oui, tout ça. Oui, Weber, je l'ai, j'ai son métal. Oui, mais il le voulait quoi. Enfin, il demandait si vous passiez par Armadillo ou quoi. Oui, bah, à un moment donné, il faut que j'aille à un endroit quoi. Mais il sera plus là après la tempête, il a dit. Qu'est-ce que c'est que tu m'as donné, Daphné, la bouteille là ? Oui. Comment ça, monsieur Weber, après la tempête, il est plus là ? Bah, il a dit qu'il attendait jusqu'à la tempête et qu'après il serait plus là. Ah, merci, merde. Daphné. Isaiah a été soigné, il y a un doc. Ah, c'est bon ? Ah, oui, merci. On s'en inquiétait beaucoup en plus. Non, c'est bon, vous inquiétez. Bah, si. C'est encore une. Pas fait gaffe, elle me l'a donné, je crois. Oui. Eh, ben. Ray, pitié. Reste à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Merci, Molly, de nous avoir prévenus. Bah, de toute façon, j'ai dit à Griffin qu'on se retrouvait ici après qu'il se fasse soigner. Tu m'as passé quoi, ma chérie ? De l'alcool. Une petite bouteille. Je vais me mettre là pour la tempête. Moi, je me mets dans le cabinet. Moi. Tu vois même plus ce que je te donne, ça me dégoûte. On peut se mettre. Tu me l'as pas donné, je te jure, tu me l'as pas donné. Solide, les fenêtres. Ouais. Hein. T'es derrière le comptoir et puis bon. Hop là, en sécurité. Là. À l'abri. J'avoue, j'avais beaucoup de bouteilles, je me sers. Ouais, mais qui a pris ma tequila là ? La tequila ? Je vous aurai. Moi aussi, je me cache. Tout le monde se cache, alors je fais pareil. Bah oui. La tempête. Je sonne le médecin pour avoir ma tequila. Hop là, petit reset, hein. Attention, on va relancer Redem dans quelques instants, quoi. Je suis là, hein, je suis toujours là, en fait. Hein. Coucou. J'ai mis ma petite lunette pour adoucir un peu. Oh, erreur. Encore. Bisous VOD. Voilà. Bonne nuit.